Salut YouTube, bienvenue pour l'épisode 3. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de Mario Wonder. Le mec, il ment, tu sais. La dernière fois, on avait fini tout le monde 2, tout le monde 1, tout ce qu'on avait accessible aux îles florales, etc. Et on venait de débloquer le monde Golden Shower, les douches dorées, précisément. Donc, on va s'y rendre sur le champ. Et puis... Oh, j'avais pas vu ça. My bad, on va faire ce niveau juste avant. Je l'avais pas vu, excusez-moi. C'est pas meilleur que les plantes piranha, Imo. Je suis pas mort. En vrai, j'ai envie d'un autre perso là. Attendez, quitter. Parce qu'en fait, j'avais oublié que Toadette c'était à peu près la même chose que Toad en fait. Donc on va prendre Luigi. Oh, il est beau, mec, il est tellement beau. Il est tellement beau en violet comme ça. Oh, mec, les animations sont exceptionnelles, mec, ils ont des animations custom, genre. Ah, ok, faut se dépêcher, genre. Luigi est tellement hunter. J'avoue, les bruits de Luigi sont chelous un peu quand même, je trouve. Genre, regardez, c'est encore limité par le temps, ça. Oh merde. Dodge. Mario est un gros porc. Non, c'est pas ça. Et je fais des efforts. J'essaie de faire du... Mario... Non, Luigi fait du sport. J'ai un max de pec. Et lui, il est gros comme un porc. C'est la chanson de mon youtubeur préféré. Mec, il farm. Easy. Bravo. Mais en fait, il y a un timer, mais que pour les niveaux où il y a du sens qu'il y a un timer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'avant, dans tous les Mario Bros, il n'y avait pas vraiment de sens qu'il y a un timer. Et c'est agréable, parce que je sens qu'il y a plus... Il pense plus à l'intention. Genre mode, qui en avait quelque chose à foutre? Qui la DM? Non, qui en avait quelque chose à foutre de... du score dans les Mario Bros, genre? Qui en avait quelque chose à foutre? Genre, sincèrement, personne, non? Le timer, il servait à rien. Oh, ressort. Ta gueule! Le timer, il servait à rien. Bah, là, en l'occurrence, il servait à rien parce qu'il y avait le rythme, mais... Tu peux te désynchro, je pense, non? Moi aussi, sans arrêt, il sautait plus haut que d'habitude. Oh, putain! Oh, c'est atroce. Genre, tu peux pas juste rester toi-même. Tu peux pas genre juste rester immobile. T'es obligé de bondir, en fait. Comme t'es obligé de Kylian, en fait. T'es obligé de bondir, en fait, comme Kylian. Merci Larfounet pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est énorme. Mais mec,
en vrai, regardez, mais genre même genre les... Genre je trouve même niveau... Genre, si on compare les niveaux, genre les défis badge, mec, ils sont tellement... Ils sont tellement... Genre ça contraste, tu vois, genre il y a des niveaux courts, il y a des niveaux plus longs et tout, c'est vraiment varié, quoi. Et si t'as pas envie d'aller faire les badges, bah, et juste de rush la fin du jeu, bah t'as juste à... C'est juste à trouver des graines prodiges, quoi. Beau travail, on a reçu un badge que tu viens d'utiliser en cadeau. Je peux m'en équiper si tu veux. Ça ira! T'inquiète, ça ira. 100! Chef! Mais attends, mais j'ai pas eu ça sur le premier monde. J'ai une théorie selon laquelle j'ai pas tout trouvé au monde 1. Je sais pas si je crois en cette théorie. Ah bah oui, putain, regardez, il y a les putains de trucs grisés, là. What? Non, j'ai totalement oublié cette zone, genre. Ah oui, putain, mec, j'ai full zappé cette zone. What the fuck? Pourquoi je l'ai full zappé? Parachapeau, vas-y, let's go. Mec, on va tellement faire du gachapano. On va en faire 40 d'affilée, hein. Tenez-vous bien. Donc là, en tout cas, on a officiellement clear le monde 2, mais on n'avait pas encore clear le monde 1, en fait. My bad. Je pensais que oui, mais en fait, non, pas du tout. Compliqué quand même. La voix des fleurs. Non mais elle est tellement goofy. J'ai jamais vu aussi goofy. Hein. Goofy à voice. Carrément. Dernier saut. Mec, regardez, mec. C'est tellement gratification instantanée. Les niveaux, ils s'enchaînent tellement rapidement. Mec, c'est trop gratification instantanée. Genre là, je suis sur TikTok, mais c'est des niveaux de Mario Wonder. Et patin. Ils avaient l'occasion d'appeler ce niveau coup patin, mais bon, ils préfèrent parler français apparemment. Bref. Devine, mon train a eu de retard? Non, impossible. C'est jamais arrivé qu'un train de la SNCF ait du retard. Mec, elle est belle. Oh, mec, pour les miniatures. Mec, je suis en train de penser aux miniatures. Le mec trop matrixé par YouTube. Mais par contre, pour les miniatures, la carapace violette. Oh là 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 là, bien saturée, là. Mec, les miniatures Mario Wonder bien saturées, ça va tellement être exceptionnel. T'en penses quoi, Dumbo? T'es d'accord? T'as tellement de potentiel. Le fond. Non, en vrai, les fonds, ils servent pas à grand chose pour les minia, mais. Genre, c'est plus en mode les persos et les items qu'ils peuvent porter, tu vois. Ça, pour une minia, ça a vachement plus d'impact. Et genre, là, franchement, le jeu est tellement saturé. Chef, tu cookes mieux les idées que moi. Ça dépend. Toi, t'es meilleur pour exécuter certaines choses. Moi, je pense que tu connais mieux Photoshop que moi. Après, t'es moins organisé que moi sur Photoshop, tu vois, je pense, mais... Mais tu sais, je sais vraiment pas comment... Mais je sais... Genre... Le Photoshop de Dumbo, ça n'a aucun sens. C'est tellement désorganisé. Et genre, j'ai donné le Photoshop à... Ils m'ont demandé à la Made in Asia, ils m'ont dit « Oui, vous pouvez me donner le fichier Photoshop de la bannière, nanana, pour qu'on retouche et tout ?» Et je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à comprendre un truc, tu vois.
Et qu'ils ont réussi à... Ils ont réussi à reprendre son taf, genre, c'est... Alors que moi, je... Mec, c'est... Franchement, respect, tu vois. Genre, j'espère qu'ils ont augmenté leur graphisme, parce que... Je suis choc-bar, tu vois. Et dans quel monde? Le monde 1, mais... C'est parce que j'avais oublié 2-3 trucs, en fait. Frère, j'ai fait des dossiers et tout. Jure, tu l'avais bien soigné cette fois-ci, genre. Cette fois-ci, tu t'es dit, vas-y. Allez, soyons fous. Oh, c'est trop stylé, c'est à la cime de l'arbre. Il y a une petite lune. Non, c'est mignon. Oui, c'est vrai que la mini Breath of the Wild, mec, parce que j'avoue, j'avais pas trop regardé. J'avoue, les trucs de la Medinazia que t'as fait, j'ai pas trop regardé. Mais mec, la mini Breath of the Wild. J'ai cru faire un cauchemar. J'ai cru que j'étais en cauchemar, là. J'étais en mode pince-moi, je rêve. Waouh! Mec, regardez, même les persos, ils sont heureux. Comment être malheureux en jouant Mario Wonder? Je vous l'explique. Non, je vous le demande. C'est surtout ça. Je sais pas si je vous l'explique. Là, il va y avoir un truc qui spawn, là, juste ici. Voilà. Roulipo! C'est quoi? Saute. Mec, en vrai, il y a vraiment beaucoup de niveaux, hein. Alors, peut-être que le jeu n'est pas si long que ça, mais genre, mec, je m'attendais à ce qu'il soit plus court après tout ce que tout le monde disait sur Twitter, genre. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus court que ça, genre largement. Il y a tellement de bonnes idées empruntées à Mario Maker, ça se sent, genre rien que ça, tu vois, genre rien que ce petit mécanisme. Félicitations, vous avez trouvé toutes les graines prodiges, la plaine des tuyaux, voici 100 pour fêter ça. OMG, le pack opening de panneaux qu'on va faire, oh là 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 là. Le pack opening qu'on va faire est exceptionnel. Donc on a officiellement clear le monde 1 et le monde 2. Allez, allez. Yes! Yes! Oh, taux d'étabule exceptionnel. This is from here, bro. Ouh, mignon. Un stack de panneaux. Oui, très très beau, très très beau. Mec, je suis tellement addict. Oh là là, Peach de feu, c'est tellement une princesse. Bah, c'est littéralement la princesse Peach. Ouh. Carotin Kylian Mbappé. Eh ben putain. Non, ça, je l'ai déjà eu. Mignon, Luigi Foreuse. Ok, Luigi jaune qui perd. Ok. Ok. Il tire la langue. Madame! Oh! Mario de feu. Putain, sérieux, j'ai pas beaucoup Mario, en fait. Oh là là, Toad bleu. Daisy. Carotin sur un nuage. Nuage magique, genre. Oh là là. Mon rêve, Toad bleu en baudruche. Ah, c'est chaud d'en avoir des nouveaux. Oh là là, Daisy Bulle est tellement belle. Coquinage, ok. On a la moitié là. Mec, c'est tellement gacha, je suis tellement en mode gratification instantanée là. Daisy Foreuse, ok. Ok, ça c'est un silver. Pitié une golden. Pitié une golden, je vous en supplie. Ok, silver. Silver aussi.
Golden, je vous en conjure. Je suis addict, je spam. Ah voilà, je scroll. Je scroll TikTok. Encore, j'ai dit. Ça commence à devenir chaud. Mais je l'ai déjà eu, c'est un golden, mec, j'ai déjà eu. Are you serious right now, bro? Quoi, c'est ça, les panneaux? Indiquer des directions. À signaler d'un danger. Non, ça sert à respawn les fantômes qui sont morts en multijoueur, local ou online. Mais j'ai envie de les collectionner parce que c'est stylé, quoi. J'ai envie de tous les avoir, en fait, pour le 100%, tout simplement. Il Florales, c'est Comment je fais pour aller Merde, je suis pas allé au bon endroit. Il faut que je retourne aux îles Florales? Ah oui, c'est à partir des îles Florales que je peux aller au Golden Shower. Vigne jeu 10%. Non, du tout, non. Allez, les chutes dorées. Ça faisait quand même 16 minutes, mine de rien, qu'on avait commencé l'épisode. Il serait temps de commencer le nouveau monde. Ouh, c'est une miniature de Mr Beast. Royaume à 1$ versus Royaume Champignon. Royaume Champignon à 1$ versus Royaume Fleur à 10 millions de dollars. Pouf! Ok! Ok! Oh! Nous voilà arrivés aux chutes dorées. Je me souviens bien, une graine royale se trouve au sommet de ces chutes. Si jamais on se perd, on aura qu'à consulter la carte avec elle. Dojo du maître. Anecdote. J'ai déjà raconté des anecdotes de fou, genre moi le fait... C'est la première fois de ma vie, genre aujourd'hui j'ai défoncé une prod pour la première fois de ma vie. Voilà, mais je l'ai déjà raconté. Êtes-vous prêt à affronter leur épreuve en cascade? Votre peine ne sera pas vaine, regardez le haut des chutes, là-haut se trouve la graine royale. J'ai une idée, si on passait des épreuves, la graine royale, tu peux me la donner? il en est hors de question, les règles sont là pour être suivies, même par les princes. Seuls ceux qui parviennent à surmonter ces épreuves sont dignes d'obtenir la graine royale. Vous aider, je veux bien vous donner ceci, je sens que nous nous reverrons bientôt. Pouf! Écoute quoi, l'anecdote hier chez Lost Planet? C'était un podcast où il y avait un concours d'anecdotes. C'est assez réducteur de dire qu'il y avait concours d'anecdotes. Mais oui, en effet, il y avait un concours d'anecdotes. Et c'est pour ça que j'en ai plus, c'est ça le problème. On en a du chemin avant d'arriver au sommet. Assurons-nous d'avoir le meilleur badge pour chaque épreuve, d'accord? Évidemment, pour que je change de badge, appelle-moi avec R. C'est vraiment pas la meilleure partie? Ah ouais, les anecdotes, c'est pas la meilleure partie, tu trouves? Oh ouais, ta gueule. Énigme du vide. Oh, l'OST de fou. OST de fou. La vidéo m'a fait découvrir Hollow Knight, dont j'entendais beaucoup parler depuis longtemps, et c'est incroyable. Merci beaucoup, j'ai déjà 8 heures dessus. Jure. Régale-toi. Oh là là. Chef. J'ai plus une thune. Moi, la discussion était large plus intéressante. Ouais, mais je peux comprendre que les types, ils préfèrent les concours d'anecdotes, tu vois. C'est les choses simples, les concours d'anecdotes. Ok.
HK, si j'ai bien compris, dans ta vidéo, les DLC de HK sont free. C'est ça. En fait, ils sont déjà de base dans le jeu, en fait. Quand tu le payes, c'est des mises à jour gratuites. T'as juste à payer le jeu et en gros, les DLC sont avec. De base, c'était des mises à jour gratuites, quoi, qui rajoutaient du contenu. Quand même. Ouais, bon, secondaire ou Spider-Man 2. Mais mec, je n'ai jamais joué à un seul Spider-Man, donc... Moi, la question, elle est vite répondue, chef. Hein? Là, là? Ah, la tête qui a la dernière qui spawn. Ah non, c'est la graine qui spawn ici, je pense. Imo, c'est la graine qui spawn tout en haut. Oui, dans les cascades, frérot, c'est vraiment un backseat. N'hésitez pas. N'hésitez pas à éviter de me donner des conseils, sinon on va vraiment vous ban, quoi. Nice. Heureusement que personne nous l'a dit. Heureusement que personne nous l'a dit, c'est cool. Alors qu'on l'avait pas du tout demandé. Ça peut être tellement insane d'apprendre genre les patterns par cœur, genre en mode... En mode apprendre les patterns par cœur, enfin les emplacements par cœur de tous les trucs. Oh mec, en vrai je pense que je vais faire un speedrun 100% de Mario Wonder. Genre d'abord je vais apprendre le N%. Une fois quand j'en aurai marre, je ferai le speedrun 100%. Oh là 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 là, le chicken. Le chicken de faire ça. Tu vois la fin sans spoil de quoi, Mario Wonder ou HK? Mon avis sur le jeu jusque là, franchement c'est un très très bon Mario 2D hein. Après ça reste un Mario 2D, tu vois, c'est pas le truc côté choc barre de baiser mais... Franchement je mettrais un bon 9,5 hein. Mario Wonder hein. And I wonder if you know what it means, what it means. Où est-ce que ça peut être? Regarde bien, on dirait un sourire. Arrête de sourire. Là, je commence à avoir un coup de barre demain. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dormi sans me mettre de réveil ou genre sans qu'on me réveille. Genre les dernières nuits, j'ai vraiment dormi 3-4 heures en moyenne, quoi. Là, je vais juste dormir, ne pas mettre de réveil et être heureux, genre. Attends, mais là... Attends. Là, ici, il y a un truc. Ouais, voilà. Oh, putain, sérieusement? Où est-ce qu'il est le dernier là? C'est pas une question hein.
une question pour que vous me dites où il se trouve. Mec, c'est chaud, hein. Très très chaud. Très 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 chaud. Il est dans le niveau. Non ! Ta gueule ! J'ai l'impression qu'il y en a... DTC, what? Carrément. Le kappa. Le kappa, c'est le sauvetage miraculeux. Merde. Alors... T'as fini le 10%? Pas du tout, non. C'est vrai que... Bon... C'est vrai que je pourrais mettre... C'est vrai que j'ai mis 100% dans le jeu, mais... En gros, c'est genre, je fais de base le 100%, en fait. Mec, ces flèches-là, ça me rappelle tellement le Nintendo World. Chef ! C'est la troisième sur les cinq. Ouais, mais je sais pas si... Ça respecte pas toujours l'ordre de grandeur en mode « Ok, ça doit être au-dessus, tu vois. » Ta gueule ! Ta gueule ! Genre, je l'ai pas trouvé. Mais ça par contre, j'avais pré-shot que ça allait être ici. POV, tu fais le niveau de TOT 8 ans sur Mario Kart. C'est très réel. C'est très réel. Il s'est amusé à cacher des trucs partout. Bonne chance. J'avoue, ça, c'est peut-être pas le meilleur truc. Mais en fait, ça... Ce genre de niveau, c'est trop drôle à faire en multi. Tout seul, c'est un peu lent parce que tu dois tester tous les trucs un par un. Et si, en multi, ton teste un peu partout, c'est vraiment trop stylé. En fait, en multi, ça a beaucoup plus de sens. Mais c'est vrai qu'en solo, c'est compliqué. Même la partie avec les boss de HK, c'est gratuit. Oui, 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 oui. De base, c'était un DLC, mais oui, oui, le Panthéon, c'est gratuit. Le Colisée, c'est gratuit. Enfin... Il faut payer le jeu, évidemment, mais après, après faut à la limite payer avec les géo, quoi, genre, donc l'argent du jeu, quoi, mais... C'est tout, quoi. Oh putain, je me suis bien fait défoncer, là. Oh putain, je m'attendais pas, là. Non, là, j'avoue, je m'attendais pas. Mec, je passe tellement un bon moment, j'ai hâte d'avoir tous les charmes. Tous les badges. Ah putain, trop chiant de jouer à Hollow Knight. Trop relou. Mec, ça me revient à chaque fois. Les DLC de HK, c'est pour télécharger l'OST. Non, non, non. Non, 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 les DLC de HK, ils sont déjà dans le jeu. Réel. Surtout sur Osu. Ou qu'à ma place. Ouh. Ok. Bah il... T'inquiète, t'inquiète, Madame Lafleur. Hop, hop, hop.
What? Oh putain, faut les faire grimper. Nice. Merde, par contre, il est où le dernier Oh merde. J'ai vu que sur le neck, toutes les voix, et c'était les devs et leurs proches. Oui. Oui, Fast m'avait dit cette fun fact pendant qu'on était en train de bosser sur la vidéo. Genre par exemple, Iselda, c'est la femme du dev qui a fait Cornifère, tu vois. Genre, parce que dans le jeu, Cornifère et Iselda, ils sont mariés et femmes. Et genre dans le... Dans la vraie vie aussi, tu vois, genre. Dans les voice actors aussi, tu vois. Je trouve ça drôle. Où est-ce que ça peut être Vous savez? Non mais par contre, ce qui est insane, c'est... Genre, vous voyez la dame blanche? Non, attends, c'était quoi, la dame blanche? Si, à un moment, je fais la rencontre de la dame blanche, elle s'appelle. Vous savez qui c'est qui a fait le voice acting de la dame blanche? C'est la daronne du développeur. Voilà. C'est la daronne du développeur. C'est sa daronne. C'est sa daronne. Où est le dernier? Dans la vie, tout est question de fermer sa gueule, tu sais. Oh! Ah, ok, d'accord. Bah, la fleur Wonder m'a baisé. J'en veux plus les fleurs qui parlent. Mais chacun a son truc. C'est soit les fleurs qui parlent, soit c'est le bruit du seau. Moi, c'est plus les fleurs qui parlent. Les fleurs qui parlent, débat parallèle. Bah les gars, on va pas faire un débat parallèle. Bah vous avez pété un câble, vous avez pété un plomb. Vous avez pété un plomb, les mecs. C'est quoi ça? On sait le stage avec un sueur champignon. Oh putain, mais c'est exceptionnel ça. J'avais oublié ça. On est des jours rangés par rien, on est à part genre? Non, juste un average enjoyer, t'inquiète. Hein. Calme ça. Alors attends, je cours. Oh c'est chiant! Yes! Ok, il me fallait le golden. Une tier liste des partis politiques. Non. Hors d'atteinte. Chef. Bon, ça c'est bien. Non mais je te laisse le faire sur ta chaîne Twitch, en tout cas, BDG Lastico, n'hésite pas. Si, Madge. What? Genre j'ai pas le choix. Très dur le niveau, très dur. Oh yeah. Je game dans 10 ans, go 100% tous les jeux de la Switch défilent en moins d'une heure. Réel.
Évidemment, mais oui, évidemment. Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Mister Beast dans 10 ans. Salut, c'est Mister Beast. On est avec LeBron James dans l'espace. Et aujourd'hui, on va faire exploser un astéroïde. Mec, c'est... Ça va arriver. Ça va arriver. Là, vous pensez que je vanne, mais je... Ça va arriver. Sachez-le. Ah oui, ça, c'est dans Super Mario Bros. 2. Ça, c'est une ref à Super Mario Bros. 2. Sachez-le. Dans Super Mario Bros. 2... Quand tu mets le stick vers le bas et que tu sautes, comme ça, c'est... Oh, il fait un backflip, Luigi, mec, c'est tellement insane. Backflip. Il va se faire cancel avant. Tellement pas. Et qu'il est américain, il fait ce qu'il veut, frère. Mec, c'est tellement un giga chat, Luigi, à faire un backflip. Il pourrait juste sauter, mais non, il fait un backflip en plus, genre. Tu as joué pendant toutes les vacances? Oui. Ouais. Ouais. Et astéroïde à 1$ versus missile nucléaire et astéroïde à... Non, non, c'est pas un bon titre. C'est pas un bon titre. Le titre est trop long. Au travail, en plus on a réussi le badge que tu viens d'utiliser en cadeau. Je peux m'en équiper si tu veux. Bonne idée. Bonne idée ma vie. Savez-vous seulement combien d'années il m'a fallu pour maîtriser cette technique secrète? La prochaine épreuve devait vous donner plus de fil à retordre. Ouf. Intermédiaire de poursuite verticale. Chef! Ça saute haut, hein! Astéroïde versus missile nucléaire. Ça, oui! Ça peut être un titre de Mister Beast. Franchement, moi, je clique. Alors, t'imagines, t'as des images d'un astéroïde qui se fait... Non, c'est trop exceptionnel. Genre non CGI. Genre il sauve la Terre pour des vues. Genre il fait exprès de mettre un astéroïde sur la trajectoire de la Terre. Mais il la sauve, comme ça, ça fait des vues. Et c'est comme le film Don't Look Up. Le film banger, Don't Look Up, c'est trop exceptionnel. Easy. Jus! Je saute. Merci pour les feux d'artifice, je sais, je sais. Yes! Yes! Je suis peut-être teubé, mais c'est là-haut Don't Look Up. Non, rien à voir. Don't Look Up, c'est un film avec... c'est un film sur Netflix. Avec DiCaprio... comment il s'appelle? Jennifer Lawrence. Donc rien à voir avec là-haut. C'est un film d'animation. Alors, le seul rapport, c'est qu'il y a un truc qui se passe dans le ciel, quoi.
Où le pourcentage? Y'a pas de pourcentage, frérot. C'est, on est, c'est terminé Hollow Knight là, hein. C'est plus la même vidéo, mon gars. Je vais faire exprès de mourir parce que j'ai l'impression que je peux plus grimper là. Ouais, Chouin, miaule. Utilise ton pouvoir. Oh, je suis débile, putain, j'avais oublié. Après, les gars, c'est du backseat, hein, ceci dit. Je commence à avoir un petit coup de barre en vrai. Je vais pas tarder à aller cut, je pense. Allez dormir. Salut Jules Guan. C'est ma première fois sur Twitch, mais je suis toutes tes vidéos sur YouTube. GG pour le 121% sur Hollow. Waouh. Ok. Waouh. Ok. Le message m'a donné de l'anxiété là. Ça va super. Ça va super. Sans jugement sur mon premier message. Tu veux que je reste vite tout ce que t'as dit? Jules Guan avec un U avant le A. Ok. Ensuite, ok, le reste pourquoi pas. 121%. Alors je me permets d'intervenir, c'est vraiment 112% pour le coup. Et je me permets d'intervenir aussi sur l'orthographe de Hollow Knight. Ce n'est pas en référence à la nuit, le Knight, mais bel et bien au chevalier. Donc du coup, avec un K. Voilà. Mais oui, mais oui. J'ai pas fait exprès, j'avais oublié. T'as oublié beaucoup d'informations quand même. Mais c'est pas grave. Et c'est juste comment écrire. Ça va, il voulait être mignon. Mais oui, c'est pas grave. Zéro souci, force à toi, mec. Ainsi, vous avez réussi cette épreuve. Le bois dans lequel vous êtes taillé est plus robuste qu'il n'y paraît. Mais à partir d'ici, les épreuves vont se corser. Préparez-vous bien. T'as déjà dit ça avant, Poplin. T'as déjà dit ça avant. Il a déjà dit ça avant. Mais qui le DM? Il est moche. Il est moche. La fatigue te rend un peu aigri. Bon, c'est pas que la fatigue. L'épreuve du ciel, sucré. Sucré au sucre. Ok. Je suis chaud. Je cut vers genre 1h, je pense, c'est vrai. Mais ensuite, genre, je continuerai la VOD, hein, vous inquiétez pas. Sur YouTube, la VOD, elle durera 3h. En moyenne, toutes les VOD durent 3h. Quel jam? C'est exceptionnel. Ok. Vers Twitch ou YouTube? Honnêtement, de plus en plus YouTube. C'est beaucoup plus facile de s'organiser. Pour être heureux. Ainsi, vous avez su appréhender leur mouvement extrêmement complexe. J'en suis encore incapable. Serais-je indigne de mon rang de maître? Ouf!
Reste digne. Reste épais. Reste digne. Course minutée. OMG. Ok, je vais mettre le truc de course alors. Ouh, mais c'est littéralement comme dans Mario Maker là par contre. C'est littéralement un menu Mario, un niveau Mario Maker ça. Je ne fais que ça. Oh. Ah putain, c'est trop stylé, ça refresh les blocs en fait. Ah, c'est sympa. C'est quoi l'histoire? C'est Bowser qui devient malveillant et qui vole le château de Florian et donc du coup il fout le zbeul dans le royaume des fleurs. Mais pour une fois, il laisse Peach tranquille. Donc Peach, on peut la jouer genre. On peut la jouer. J'arrête quand? Je pense là je fais ce niveau là, le niveau d'après et après j'arrête. Il y a un peu des pics de difficulté jusque-là. En vrai, oui. En vrai, oui. Zaoui. Mec, je sais pas pourquoi ils disent tous ça. Zaoui. Ah oui, alors attendez, regardez là. Boum, tac, voilà. C'est calculé. C'est calculé. Zaoui. Boum. Voilà. Tu as mangé, ouais. Ouais, j'ai mangé, ouais. Mais là, faut que j'aille dormir. En fait, je me suis recalé. En fait, j'ai tellement peu dormi ces derniers jours, là, faut que je me recale sur un rythme plus normal, on va dire. Ah oui. Et sbré. Ouh non, j'ai raté. Non. Non. J'ai tout baisé. Oh putain, non seulement j'ai tué le frérot dans le truc, mais en plus la fleur de prodige est partie en bas. Are you serious right now, bro? Bon du coup j'ai regardé deux vidéos de TGR et j'ai bien kiffé. Normal. Normal. Attends mais t'as eu le temps de regarder deux vidéos de TGR là? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, non, là c'est chaud. On va devoir refaire le niveau une deuxième fois là. Quoi, TGR? C'est un youtubeur! The Great Review. J'ai plus d'eau, je sais pas pourquoi je le fais, genre je bois. Eh bien, alors, on est au monde 3. Ce qui est. Parce qu'ils avaient annoncé 7 mondes. Et je pense qu'on est même pas à la moitié là. Après, c'est cool parce que je prends mon temps, tu vois. Votre agilité sur ces plateformes était tout simplement prodigieuse dans un spectacle de toute beauté. Merci Waruzo pour le prime. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Gotesque. Oh, notre princesse de Sarah Saland. Oui, c'est la princesse. Oui, c'est Daisy en effet. Confirme. Pourquoi j'ai pris le truc pour aller vite? Je suis full golemon. Oh lolo. Non. Ah. Il sert à quoi l'éléphant? On peut donner des coups de trompe.
On est puissant. On peut arroser avec de l'eau. Mais du coup, là, tu fais l'histoire. Ouais, c'est ça, je découvre. Merde. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Moi, je vais pas tarder, hein. C'est encore pire ça en fait ce que je viens de prendre là. Merci. Ah ça oui. Merde, j'aurais dû... Oh putain, j'aurais dû donner un coup de trompe. En fait c'est limite chiant que je sois en éléphant en fait. Nice. T'as apprécié le nouveau Sonic? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Je devrais aller dormir. Je termine juste ce niveau-là, je fais le niveau d'après, je les éclaire tous, et après c'est bon. Et après j'irai. Tu sais que je passe juste pour dire que je viens de finir à 100%. Voilà, bonne soirée. D'accord mec, on est content pour toi, écoute. Après, personne n'a demandé, mais on est très très content pour toi. On est très content pour toi. Mais personne n'a demandé. Mais on est content pour toi. Mais tout de même, personne n'a demandé. Mais cela n'empêche pas qu'on soit content pour toi. Mais cela n'empêche quand même pas que personne n'a demandé, tu vois. Mais ça n'empêche pas non plus qu'on soit content pour toi. C'est ça le truc. C'est-à-dire que personne n'a demandé, mais ça n'empêche pas qu'on soit content pour lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Zawi. 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 Merde, c'était vraiment là qu'il fallait pas que je rate. Oh là 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 là, non, je suis vraiment con. Les merguez ne dorment pas, réel. Il y a une vanne que j'ai trop hésité à faire, genre à la Made in Asia, ça m'est passé plusieurs fois par la tête. Mais j'avais peur que ça soit trop gênant et que ça fasse un... que ça floppe de fou. Mais c'est en mode genre... Genre tu sais, en mode je prends une photo avec quelqu'un. Genre eux ils font genre merci pour la photo et genre tu sais ils commencent à se barrer, machin. Sauf que moi genre je reste freeze dans la position de la photo. Je pense que j'aurais énormément flop, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je l'ai pas fait en fait, finalement. J'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. Pierre, ils vont juste être gênés. Mais c'est ça le but, c'est ça le but, c'est pour ça qu'on vit.
Gotesque. Je n'ai pas non plus la dernière purple. Ok, donc faut faire gaffe. Dans ce cas que tu reflopes là-dessus, faire un photobomb sans aucune préparation. Mais c'est pas un photobomb. C'est juste genre, à chaque fois, parce que j'ai pris une photo avec tout le monde, mais genre... normalement la photo t'es censé t'arrêter quoi. Parce que là, genre juste la vanne c'est je m'arrête pas. Ouh, alors là, Zbrem. Voilà. Et là on a tout, et là on est heureux. Je continuerai demain, alors oui, demain, toute la journée. Je pense que je commence premier degré dès que je me lève. Je me réveille, je me lève, je prends un café, on lance Mario. Voilà, voilà, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Je sais pas si vous connaissez le mème du mec qui se réveille et qui part direct sur le PC, genre mode, il se réveille comme ça. Genre le PC il est collé à son lit. Le jeu a une bonne durée de vie. Franchement si tu le fais à 100% oui hein. Et encore plus si tu fais du speedrun et tout hein. Épreuve finale de vitesse sur le rail. Vous l'avez la ref? Genre c'est le type là qui se réveille qui geek. Tellement un nerd. Le nord originel. Voilà l'épreuve finale. Sa véritable arrivée est cachée. Trouvez là et vous aurez réussi. Et puis, si je peux vous donner un conseil, regardez bien, vous mettez les pieds. Ouf. Zawi. D'accord, Dumbo, donc t'es en train de me dire qu'au lieu de faire mes assets de stream, tu faisais le 100% de Mario Wonder, tu collectionnais les panneaux de Daisy qui nage. Après, compréhensible. Non, franchement, compréhensible. Compréhensible, je peux même pas t'en vouloir. Je peux même pas lui en vouloir. Alors attends, j'ai vu des trucs que j'ai ratés, mais alors... Le problème, c'est que c'est pas du tout la route qu'on me dit de suivre. Allez. Nice. C'est pour te faire des meilleurs minia plus tard. Ouais, t'inquiète. C'est quoi qui disait le grand méchant loup? C'est pour mieux te... Je sais pas quoi, mon enfant. Chaperon rouge, vous avez la rêve, vous connaissez? C'est le mec qui croit que les gens connaissent pas Chaperon rouge. Je vais te manger. Mais ça, c'est le dernier qui dit. Non, te manger, c'est le tapine. C'est le dernier qui dit. C'est quoi les trucs qu'il dit avant? J'aurais dit, waouh, que vous avez de longues jambes, que vous avez de longues... Que vous avez de longues zizi. Que vous avez un long zizi, mère grand. Ah oui, non, de longues oreilles, oui, ok, oui, c'est ça. Vous savez que le fait... Parce que... Genre, vous savez que le fait que je dis... Me pourlécher les babines... Parce qu'il faut savoir que ça, c'est Josué qui me l'a volé de pourlécher les babines. Mais genre, le fait de se pourlécher les babines... Je l'ai volé de... De base, je l'ai volé de, du petit chaperon rouge. En fait, c'est de là que je me rappelle. C'est genre, c'est le loup qui se pourlèche les babines, je crois.
Ou c'est une histoire avec un loup, je sais plus exactement lequel, mais... Ok, faut que j'aille sur la gauche. T'accuses la raquette Josplay. Bah après, moi, je lui ai volé pas mal d'expressions aussi, hein. Évidemment. Plus que lui, il m'en a pris. Ça, c'est sûr. Le monde 34 est backlist. Étrange, pourquoi on l'aurait blacklist? Réfléchissons. T'as de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Le frérot, il connaît la tirade entière, il l'a apprise. Zarma, c'est la réplique du... De Cyrano de Bergerac, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Merde. Mais il est où le dernier? What? Peu après le drapeau? Bah non, du coup. Non, je l'ai pas vu. Aucun effort. Je suis fatigué, les gars, ça fait... Je suis fatigué. J'utilisais le chat. Ah, ok. C'est pour ça. Les gars, streamer, c'est compliqué. Faut lire le chat, faut jouer au jeu, faut toucher la manette en même temps. Faut lire les conneries du chat. Faut animer. Alors que vous, juste vous regardez, tu vois. C'est plus simple. Vous pouvez mettre 100% de vos concentrations sur juste regarder les éléments visuels. Respirer aussi. Ouais, bon, ça, après, c'est... Oh, ça va, quoi. Enfin, je veux pas flex, mais ça va, ça, je sais faire ça depuis longtemps, quoi. Tripoter la manette, plutôt. Tripoter, carrément. T'es prof MDR. Ah, ok, d'accord. Je cherche l'explication à certains messages parfois. Hein. Genre, t'es prof MDR, je... Pas compris. Nice. Oh, 7h. En vrai, on a joué 7h aujourd'hui, en sachant qu'on a commencé à quoi 15h. Je pense que c'est ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Enfin, je m'arrête là juste pour le Twitch, mais en tout cas, YouTube, vous inquiétez pas, ça continue, il y aura juste un petit cut. Voilà. Re-YouTube. Écoutez, j'ai bien dormi, mais pour vous, c'est toujours la même VOD, c'est toujours la même chose. La dernière fois, on avait fait quasiment tout le monde entier des Golden Showers, des douches dorées. On avait fait des stages exceptionnels, Mario Wonder est trop bien, je kiffe, il y a plein de types de niveaux, il y a plein de bonnes idées, c'est créatif, c'est beau, c'est vivant, c'est coloré, c'est tout ce qu'on veut dans un Mario, voilà, je le dis. Je le dis, alors je regarde, donc normalement, comme d'habitude, on peut toujours voir si on a clair le niveau parce qu'il y a une petite checkmark derrière les items qu'on chope, donc genre le golden checkpoint, les graines prodiges, les pièces violettes, et donc du coup à chaque fois, il y est là, voilà, là il y est, aussi, juste il y est pas là, parce que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir l'acheter, voilà, c'est pour ça qu'il n'y est pas. Ah, attends, si, j'ai 200... Manoir de la graine royale, ah merde, ah oui, c'était le dernier truc, on s'est arrêté juste avant le dernier truc. Alors attends... Ah il est là! Attends vas-y, je m'y TP parce que en fait j'avais pas assez d'argent. Il fallait que j'achète la graine prodige ici, voilà. Voilà, j'achète la graine prodige. Et j'ai envie de faire un petit peu de gacha game. Ok, pitch bon 10. Je suis tellement accro à ça, frère.
Carotin qui pose, ok. Todd Bleu à Bulle, on l'a déjà eu. Ouh, Yoshi Goomba, très très mignon. Très très mignon, putain. Pogba. Todd Bleu, ok, on en a eu quelques nouveaux. Ok, ok, on est à 83, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, écoutez. Alors, stage... On comprend mieux pourquoi tu étais fauché. Pourquoi? Parce que j'achète... Parce que je mets tout mon argent dans des panneaux, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça que vous êtes en train de sous-entendre. Vous êtes en train de sous-entendre que je fais pas de passagers ou c'est ça. Vous avez atteint le sommet des chutes dorées. Cela signifie que vous avez réussi l'épreuve finale. Félicitations. Super, on a réussi, mais alors ça veut dire que... Eh oui, c'est avec fierté que je vous confie la graine royale. Je n'ai plus rien à vous apprendre, Altesse. Surtout qu'en fait, je ne vous ai rien appris du tout. Ha ha ha. Quoi, des subs, punaise. Le mec s'énerve. Oh, Julian, c'est quoi des subs, dis-nous. Mec, c'est vraiment juste les gens qui s'abonnent à la chaîne, c'est tout. Ni plus ni moins. Mec, c'est tellement beau. Mec, mais je vous jure, genre, dans mon réveil, dans mon rêve, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai... Je crois que même pendant que j'étais en train de dormir, j'étais impatient de rejouer à Mario Wonder. Oui, j'ai entendu parler du randomizer, je pense qu'on fera une vidéo dessus en effet. Nos héros ont courageusement triomphé de toutes les épreuves, mais leur aventure dans le royaume des fleurs est loin d'être terminée. Combien d'autres épreuves finales auront-ils à surmonter avant d'obtenir toutes les graines royales? On compte sur toi! On compte sur toi! Ils ont dev tellement vite le randomizer, je suis choc-bar. Je suis choc-bar, mais je pense qu'il va y avoir tellement de concepts sur Mario Wonder, j'ai trop hâte. Utilisons une fleur hélico pour retourner aux îles florales. Évite de t'ébahir devant la beauté du paysage, tu risquerais de lâcher la fleur. Je les dev tellement vite plutôt. What? C'est toi qui l'as fait, MH13. Tu répands de la désinformation là, non? Mais il Florales, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Miles Morales. Genre si tu mets un M juste avant le il, genre ça fait Miles Florales. Non, non, c'est bien moi qui l'ai dev. C'est vrai? Non, ta gueule! Ta gueule! Mais tu sais qu'il y a d'autres gens qui m'ont parlé du rando que autre que toi. Petite vermine, cessez immédiatement d'attaquer mes pauvres nuages piranha qui ne vous ont rien demandé. Mais du coup, tu sais faire des mods sur les jeux Nintendo? Parce que si tu veux refaire ça, peut-être sur d'autres jeux, genre peut-être sur Mario Odyssey, il y a peut-être moyen que je puisse te commissionner des mods. Genre tu sais, j'ai des idées de mods et tu les fais quoi. Grrr, ne criez pas victoire trop vite et écoutez ça. Hé, hey, les préparatifs de mon grand, de mon énorme sexe suivent leur cours, le mec qui farme. Plutôt que de lutter, vous feriez mieux de vous réjouir. Bouahaha. C'est vraiment inquiétant, qu'est-ce qu'il peut bien être en train de cook? Dépêchons-nous de trouver les autres graines royales, plus vite on les aura et plus vite on atteindra Bowser. On doit encore récupérer 3 graines royales. Elle devrait être dans le désert cuisant, les mines fongiques et le volcan végétal. Si tu veux voir l'emplacement sur la carte globale, appuie sur L et puis sur X. Je te laisse décider où aller en premier. Jure, c'est un open world. Je te laisse décider... Ouh. Oh, les bruits, là. Je vais aller à l'endroit le plus proche, j'ai trop la flemme. Ah, non mais je le dis. Je le dis. Cette zone me fait... Mais même dans l'OST, je trouve que cette zone me fait beaucoup penser à... À Bowser's Fury. Caverne aux joyaux. Elle me fait beaucoup penser à Bowser's Fury. Faites le son du jeu plus fort. C'est pas assez fort? Ah bon? Bon, mec, pour moi, il est vraiment suffisamment fort, hein. OMG, c'est là où il va y avoir les foreuses.
J'ai déjà fait ce niveau. Il était dans la démo. Zaoui. Regardez là, on peut faire ça. Paf, foreuse, on rentre dans le mur, bam, 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 on rentre dans le cowboy, on fait. Qui c'est qui a osé? Ah merde, alors, par contre, je veux bien refaire avec le. Alors, pas avec le parachapeau. Mais alors, le truc pour jumper. Ça, voilà. Je fais des lives sur YouTube ou pas du tout? Non, pas du tout. On dirait le logo Discord, les mobs. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu sous-entends. Ok. Alors donc, évidemment, comme d'habitude, on fait toujours le jeu à 100%. Et en fait, pendant que je le découvre, j'essaye de faire le 100%. Et de trouver toutes les pièces, toutes les graines prodiges, etc., etc. Alors lui, il va se faire foutre, hein, je vais pas le libérer. Ah mais il a créé quoi? Il a créé quoi? Regardez, c'est trop pratique. Hop là. Boum. Alors là, j'ai déjà fait ce niveau, donc je connais toutes les pièces. Avis sur le jeu? Bah, exceptionnel, hein. Juste exceptionnel. Y'a quoi, là, ici? Y'a rien, là. Y'a rien d'insane. Je suis un peu déçu, limite. Non, mais Mario Wonder, exceptionnel, hein. Franchement, ça faisait... Genre... Je retrouve vraiment des vibes de Mario World, de Mario Bros 3, qui sont vraiment parmi les meilleurs Mario Bros ever, tu vois. Enfin, pour moi, tu vois. Mais ouais, c'est assez... Et même en multi... En multi, ça doit être tellement exceptionnel. D'ailleurs, pour information, le randomizer est équipé d'un système de seed. Oui, oui, non, mais je sais exactement ce que c'est, hein, t'inquiète, hein, j'ai pas fait qu'un seul randomizer dans ma vie, hein. I know what it is. La prise en main est bonne, mais la prise en main est excellente, hein. Là, il va falloir que je descende. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de randomizers où justement c'est pas vraiment des seeds. C'est-à-dire que genre t'as pas genre tel item forcément qui est à tel endroit, tu vois, tu peux le trouver à plusieurs endroits différents. I did it! Du coup, tu fais des live Zelda ou pas? Bah, j'en ai fait quand il y a Tears of the Kingdom qui est sorti, mais bon, là ça fait un petit moment quoi, fallait être là, hein. Fallait être là, les gars, hein. Fallait vraiment être là. Boum. Voilà. On a raté la deuxième. Elle était où? Elle est où la deuxième? Là peut-être? Pourquoi je sens qu'il y a un truc en haut là? Genre ça brille, je sais pas pourquoi. C'est étrange, genre sois normal mec, pourquoi tu brilles? Il devrait y avoir un mode multi en ligne. Bah, il y en a un. Il y en a un. C'est juste moi, je préfère jouer en solo, quoi, mais il y en a un. Utilise le machin bleu. Ok, alors j'en profite, je te banne. Et j'en profite pour rappeler que, évidemment, voilà, le mec qui a dit à gauche aussi, voilà, ban aussi. J'en profite pour rappeler une fois de plus. Mais je le fais à tous les lives. Mais je ne deviens pas fou, hein, vous inquiétez pas. Mais juste... Comme c'est écrit bien en bas à droite, pas de spoil, slash conseil. Donc, tout ce qui est fait ceci, fait cela, à gauche, nanani, nanana, tant que, genre, je veux dire, tant que je n'ai pas demandé votre avis, tant que je n'ai pas demandé ce que j'ai besoin d'aide, ne me donnez pas d'aide, par pitié, en fait. Genre, je vous en conjure. Je vous en conjure. S'il vous plaît, je vous en prie, quoi. Je suis à genoux. Donc s'il vous plaît, pas de spoil, pas de conseils, pas de utilise le bloc, pas de à gauche ou de je sais pas quoi, tu vois, ça c'est du backseat, c'est de me spoiler des infos, alors que juste, j'ai envie de prendre mon temps et de chercher, et c'est normal que je ne trouve pas des choses qui sont cachées instantanément, c'est bien normal, et c'est justement pour ça
que Nintendo a enlevé le timer et que du coup ils veulent favoriser le fait qu'on prenne le temps et qu'on explore et qu'on trouve nous-mêmes. Et que donc du coup on soit satisfait d'avoir trouvé nous-mêmes. Voilà. Et pas parce que quelqu'un du chat nous l'a dit. Voilà, voilà. J'ai jamais pensé à découvrir sur la chaîne secondaire. Si, mais même sur la chaîne secondaire, les gens spoilent aussi, hein, c'est pareil. Y'a plus de timer. Ouais, bah alors y'en a, mais c'est plus... C'est pas sur les... Il y est pas sur les niveaux classiques, on va dire. Il est pas sur les niveaux classiques. Lala ! Les bruits de pas sont trop satisfaisants. Moi, je trouve que le sound design, globalement, est très satisfaisant. Alors, je sais qu'il y a des gens... qui sont assez perturbés, genre par exemple par le bruit de... de saut, mais moi je kiffe trop. Regardez, mec, ça vous fait pas penser à Miles Morales? Genre en mode tu mets un M avant le I, et tu remplaces le FL par un M aussi. Mec, ça fait Miles Morales. Le désert cuisant. Ok, donc ça j'achète aussi. C'est marrant ces trucs-là, ça me fait penser à Mario Odyssey, genre tu sais dans les stores où tu dois payer 100 pour avoir une lune. Là. Allez, on va aller là en premier. Désert cuisant. Mais d'ailleurs, il est bien le Spider-Man. Parce que, mais il y en a combien des jeux Spider-Man? Parce que là, c'est Spider-Man 2. Mais genre, le mec a changé toutes les... mais parce qu'il y a Spider-Man 2, mais il y a aussi... Il y a le Spider-Man Miles Morales. Il y a le Spider-Man 1. C'est ça? Il y en a 3? Ah oui, c'est ça. Spider-Man 1, Miles Morales et le 2. Ok. En vrai, mec, j'ai jamais joué à un jeu Spider-Man, mais ça me donne tellement envie. Premier degré. Alors, avant d'aller au monde 4, j'aimerais finir tous les niveaux du monde 3, parce qu'il m'en manque un, il y en a un qui est grisé. Salut frérot, je joue super bien ta vidéo sur Space UK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, chef. J'espère en voir d'autres de ce même genre. Il y en aura d'autres. Je vous le dis, il y en aura d'autres. Ah putain, oui, ça, je l'ai pas fait, et ça va faire spawn même un truc au-dessus. Vas-y, let's go. Et merci pour les retours aussi sur la vidéo de Hollow Knight, mais vous êtes tellement nombreux à me dire que vous l'avez kiffé, alors que bah c'est même pas un Zelda ou un Mario, et je m'attendais pas à ce que la vidéo plaise autant, tu vois. Premier degré. Genre, surtout compte tenu du fait que la plupart des gens ne connaissaient pas... Enfin, connaissaient le jeu de nom ou autre, tu vois, mais genre, ils étaient pas en mode... Ils ont pas cliqué dessus en sachant... Ah oui, c'est tel jeu, nanani, tu vois. Mais c'était... Non, franchement, la vidéo est très cool. Hein. Après, franchement, on a un peu laissé notre... on a un peu laissé notre santé en faisant cette vidéo avec moi et Fast. Donc du coup, la prochaine vidéo, ça sera du Mario Wonder. Je sais pas trop quand est-ce que ça sortira. On a juste pas mis de deadline, tu vois. Mais genre, voilà. On va juste chiller, quoi. Parce que c'est vrai que même moi là j'avais besoin de quelques jours un peu off après la vidéo HK parce qu'en fait normalement j'étais censé live mais j'ai sacrifié tellement de journées de live pour juste bosser sur la vidéo. Mais je trouve que ça vaut le coup quand même. Je trouve que ça vaut le coup parce que quand je vois tous vos retours je trouve que ça vaut le coup quand même. Là ça va devenir une vidéo YouTube. Oui, il y aura une vidéo YouTube sur toute ma découverte de Mario Wonder, genre toute la découverte du 100%. Nice. Oh perso, grand fan de Hollow Knight. Ouais, je sais qu'il y a plein de fans de Hollow Knight qui ont regardé la vidéo, mais genre, je suis aussi assez choqué du fait qu'il y ait plein de gens qui connaissaient pas le jeu et qui ont quand même eu la curiosité de se dire « Ah putain, vas-y, je vais voir le jeu, peut-être qu'il a l'air bien, tu vois, mais qui connaissaient pas trop ou alors un peu de loin, tu vois. » Et je sais que ça, c'est la majorité des gens qui ont regardé la vidéo, tu vois. Ce qui m'étonne de fou. Merci beaucoup, CTHULU, pour le Prime. Une découverte d'un jeu Spider-Man. Peut-être, mais en tout cas si je fais une découverte, je pense que je ferai comme Hollow Knight dans le sens où genre je ferai genre un platine, c'est-à-dire genre je fais tous les succès du jeu quoi. Je me dis ça peut être sympa sur un Spider-Man. Parce que t'as des bons goûts, on a confiance. Bah ça me fait plaisir que vous ayez confiance à ce point-là. La ref à Super Mario Bros 2. Mais oui. Ce badge-là c'est une ref à Super Mario Bros 2, oui en effet. J'ai regardé la vidéo, après je l'ai direct acheté. Mais avec le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils ont acheté le jeu après la vidéo, c'est une petite fierté, tu vois. Petite fierté. Même si c'était même pas un objectif pour moi à la base, mais... Choc barre, tu vois. Merde! Ok, je sais ce qu'il faut faire.
Spider-Man 1 est assez rapide à se platine. Bah en vrai faut voir, mais maintenant j'ai une PS5. T'ont payé pour ça de qui? Hollow Knight? Non. Non, les seules personnes qui m'ont payé c'est la sponsor au début du... au début de la vidéo. Dungeon Hunter. D'ailleurs j'espère que la sponsor gêne pas trop. Moi je trouve que les sponsors sur YouTube ça gêne pas tant que ça parce que tu peux skip si vraiment ça te dérange et si t'es curieux, bah, tu regardes, tu vois, genre. Et moi financièrement ça me permet de faire des projets et d'être plus tranquille pour pouvoir mieux payer ou payer plus de monde ou alors me payer les gens avec qui je bosse déjà. Ou alors faire des projets comme la vidéo Lego que je vais faire où ça coûte quand même genre 3000 balles de Lego, tu vois, donc bon, c'est quand même des sommes quoi. J'ai plus le Zawi, mec. Mec, j'ai envie de refaire le niveau, c'est chiant. Vidéo Lego, ouais. Ça sera en décembre. Vidéo Lego Mario. Au. Mais surtout que ma prochaine sponsor, c'est genre... C'est genre, oh non, je dois faire un speedrun de Mario Wonder au stand Nintendo à la Paris Games Week. Non, putain. Oh non, trop relou, trop chiant. Je dois faire la pub d'un jeu Nintendo. J'ai fait ça gratuitement pendant des années. Non. Non. Quel sacrifice, mais mec, je... C'est insoutenable. Ok. Si je le fais à ta place. Ça ira. Vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, vous pourrez venir. C'est le 2 novembre au stand Nintendo. Alors, je connais pas encore les horaires. Je sais pas encore ce qui est réellement attendu de moi. En tout cas, je vais faire le jeu à 100%. Je vais apprendre le speedrun. Ça, de toute façon, je le faisais quoi qu'il arrive. Mais là, je me dis... Vu que je vais devoir faire un truc Mario Wonder le 2 novembre sur scène du truc Nintendo, je me dis qu'il faut quand même que je sois le mieux calé possible sur le jeu, tu vois, pour d'ici là, quoi. Ouf ! T'en es où dans le jeu ? Monde 3, voire Monde 4. J'adore, tu viens à la Meilin Asia. J'étais déjà venu, oui, en effet. Merde. Oh merde, j'étais censé avoir le... Oh... J'aurais dû mettre le truc de dauphin. Pense quoi des nouvelles voix de Mario et Luigi? Et vous, vous en pensez quoi? Parce que si vous vous souvenez plus, voici la voix de Mario. Je sais même plus ce que je dis dans le short. Non, en vrai, je trouve, si t'es juste focus sur le jeu et que t'es pas, genre, concentré à te dire « Waouh, c'est quoi la voix ?» Bah, en fait, tu fais pas trop gaffe. Ok, félicitations. Détruit toutes les graines prodiges des chutes dorées. Voici 100 pour fêter ça. Voilà. Donc, on a clear les 3 premiers mondes pour l'instant. On a clear les 3 premiers mondes. Donc, genre, alors, on vérif, mais alors... Alors, Oh. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai oublié juste ici. Je suis très, très bête. Il me manque le truc, il me manque ça là. Ouais. Mais je crois savoir où elle est. Pas besoin de backseat, je sais où elle est. Mais oui, c'est cool, ils te disent quand tu clears tout. Alors par contre, les deux premiers mondes, j'ai réellement tout clear. Mais là, il me manque juste la dernière pièce violette de ce niveau et ça va le faire. Mec, le jeu me rend tellement heureux, les petites OST sont chaleureuses. Comment être malheureux, je vous le demande. Bah, en ayant des problèmes avec Google AdSense, essentiellement. En ayant de la compta à faire. Ah, putain. Le mec qui répond tout seul à sa question. Bon, par contre, les fleurs qui parlent. Ça, c'est un peu gênant. J'avoue, je suis un peu cringé. Transformation éléphant, on a servi à que dalle. Moi, je trouve qu'elle est un peu... Elle aurait pu être mieux exploitée, la transformation éléphant, genre... Le fait d'arroser les plantes ne sert à rien, en fait. Je suis un peu déçu.
Oui, il est désactivé. Ah, c'est vrai? Comment ne pas fap avec ses backgrounds aussi? Mon buff? Alors, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Comme Mario World, tu vois, tu mets les carapaces en haut comme ça. Voilà! Je l'ai senti, je l'ai senti. Alors, j'espère qu'elle est là, la pièce violette, quand même. Ouais! C'est une dinguerie comment ils ont... Enfin, il y a tellement de bestiaires en plus, je trouve, je suis choqué. Hein. Mec, même les petites animations, les animations des persos, les animations des du menu, de l'interface, c'est toujours là. Vous avez vu quand on a eu toutes les pièces violettes, ça a fait une petite animation. Non, franchement, c'est mignon. Tu veux faire le jeu à 100%? Ouais! Ouais, je le découvre et en même temps je fais le 100%. Bah là, on a déjà clear à 100% les trois premiers mondes. Tu vas faire du Silksong? Je pense que Silksong, on fera la même vidéo que Hollow Knight dès qu'il sortira. Voilà. Si c'est pas trop long à platiner. Alors, donc là, en effet, on a tout clear, regardez tous les niveaux, checkmark. Donc, faut regarder la checkmark derrière les collectibles. Bam, 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 bam. Après, ça, c'est normal, je pense, qu'il n'y ait pas de checkmark, si. Faut pas ça dommage que tous les persos ont perdu leur spécificité. Tu veux dire comparé à Mario 3D World? Il manque un truc ici? Non. Il nous ouvre un chemin secret? What? What? Il nous a ouvert un chemin. Ta gueule! Ok, mais il y avait bel et bien quelque chose. Et là, du coup, est-ce que... Ok, nickel, checkmark. Voilà, donc là on a officiellement clear le monde 3. Putain, on était obligé d'y venir une deuxième fois. Ok. Et alors ça nous mène où? Monde spécial. Quelle mécanique de ce nouveau Mario que tu préfères le plus? En vrai, je trouve c'est la variété de niveaux. La variété de niveaux me rend tellement heureux. Genre, il y a des combats d'arène, il y a des trucs d'énigmes, il y a des trucs contre la montre, il y a les niveaux où tu peux choper des badges. Je trouve ça tellement stylé. Chef! Difficulté 5 étoiles! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète. Il y a combien de mondes spéciales? Il y en a un seul. Il y a qu'un seul monde spécial, mais le truc c'est que il y en a plusieurs qui. En fait, il y a plusieurs accès en fait à ce monde. Et tu peux pas direct accéder à tout dès que tu y arrives la première fois. Mec, la paravoile me rend tellement heureux. Les badges aussi, c'est tellement une bonne idée. C'est vraiment les charmes de Hollow Knight. Hein. C'est littéralement ça. Pomme G. First try, le niveau 5 étoiles, OMG. OMG. Non, l'étoile. Le... Ok. Waoui zaoui! Ok. Ok, on s'en fiche un peu, je peux quand même le prendre. Aou! Il est pas si dur que ça en vrai le niveau aussi. Je sais pas. C'est compliqué. Je crois que je peux passer en bas là. Ouais. Ouh. Ok. Bah voilà, first try. Enfin, après je dis ça mais c'est pas encore fini le niveau mais.
First try. First try. Mais comment ça le niveau il est 5 étoiles frère? Side read 5 étoiles FC. Mais mec tellement easy. Easy game. Easy game. Après side read 5 stars, c'est pas si difficile que ça même sur Osu. Hollow Knight est en promo en ce moment, je pense l'acheter. C'est vrai, mais il a combien? Mais il y a plein de gens qui m'ont dit ça, c'est une dinguerie le timing. Je suis choc bar genre. Je suis choc bar du timing. Il a combien en ce moment? Fais voir sur Steam. 8 euros. Ah mais mec, mais faut tellement foncer. Faut tellement foncer. Genre vous avez 60 heures de game, vous avez 100 heures de gameplay pour 8 euros, c'est tellement, faut tellement foncer. Je me demande si... Mais juste prenez le jeu de base. Il n'y a pas besoin de prendre plus que ça. Genre parce que... Il y a écrit genre acheter Hollow Knight et Soundtracks. Mais en fait, tous les DLC sont déjà inclus dans le jeu de base. Donc vous inquiétez pas. Il y a combien de base? Il a 15? 16? Il a 15 euros je crois de base. Alors que enfin vraiment la durée de vie du jeu, genre bah c'est autant que... Un Breath of the Wild limite quoi, genre... Bienvenue dans le monde spécial. Ici, nulle graine royale à récolter, mais des limites à repousser. Franchement, 8 euros pour Hollow Knight, c'est vraiment un style. Franchement, si vous hésitiez à prendre le jeu... C'est un style. Ouais, mais le problème des vidéos comme t'as fait à 100%, c'est que globalement, il n'y a plus trop d'intérêt de le faire. Oui, je peux comprendre. Non, mais oui, je peux comprendre, t'as raison. Je peux totalement comprendre. Mais c'était ça un peu... En vrai, c'était un peu l'intention aussi, tu vois. C'est parce que moi, je me suis dit... Il y a plein de gens qui connaissent pas Hollow Knight. Et je me suis dit, s'ils ont la flemme de faire le jeu, parce que quand même, c'est 100 heures de jeu, tu vois. S'ils ont la flemme de faire le jeu à 100% en entier, tous les succès, bah comme ça, ils regardent la vidéo et c'est réglé, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire un défi, essayer de ne pas rire. Mais je comptais le refaire sur Mario Wonder, je pense. Mais oui, en tout cas, je suis d'accord avec toi, Daedra. En effet, mais c'était un peu l'intention aussi, hein. C'était un peu l'intention aussi. Je viens de se dire si y a moyen de récupérer sa save du Game Pass en l'achetant sur Steam. Waouh, là j'en ai aucune idée pour le coup. J'espère qu'il y a la promo parce que Silksong sort bientôt. Ouais, t'inquiète, Silksong il sort bientôt, ouais, t'inquiète. J'ai découvert Hades hier pour 12 balles. Je kiffe trop Hades aussi, mais j'avais joué quand il était sorti. Il y aura une suite à Hollow Knight. Alors apparemment on m'a dit que c'était un prequel, mais oui, il y a un prochain jeu Silksong qui en gros, le prota ça sera Hornet en fait, directement. Mais qu'est-ce qu'on a soif ici? Allez, c'est pour qui l'abono? Pour moi et rien que pour moi. Et s'il y en a qui viennent pleurnicher, le soleil séchera leurs larmes. Et le SAV Hollow Knight. Alors oui, en effet, le Game Pass. Alors vous prenez... Alors clic droit, propriété, télécharger la sauvegarde, transférer sur Steam. En effet, c'est possible. Voici donc le désert cuisant. Tu as vu tout ce sable blanc? C'en est presque aveuglant. Il a posé un couplet, là. Je pense qu'on trouvera une autre graine royale au palais. Enfin, si on n'est pas complètement cuit avant. Bref, allons-y. Blablabla. Ok, monde 4. Tu joueras un jour à Spider-Man 2. Faudrait déjà un jour que je joue à Spider-Man 1 et à Spider-Man Hills Florales. Déjà pour commencer, tu vois. Tu vois, il faut d'abord le petit menu hopper pour commencer avant de faire le 2, quoi, directement. Mec, est-ce que ça vous fait pas penser... Alors, je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais le background me fait penser de ouf à un jeu qui s'appelle Journey. Je sais pas si vous connaissez. Genre c'est les mêmes créateurs de... C'est les créateurs de Abzu et tout. Moi j'ai jamais fait Journey, j'ai déjà vu des speedruns. Mais j'ai déjà fait Abzu, qui est les mêmes créateurs et tout, et ça me fait réellement penser à ça. Ah, je meurs de soif. Mais oui, passez l'eau. Oh, votre Altesse, malheureusement, vous ne trouvez pas une goutte chez moi. Un terrible gardement est venu dans le désert cuisant et nous a dérobé notre précieuse eau. Je vous en prie, aidez-nous, vous devez récupérer notre eau. Tenez cette graine prodige, je pourrais bien vous aider. C'est vraiment terrible. Allons vite au palais pour les aider avant que tous les poplines du désert ne fanent.
En vrai, je me dis, la vidéo Hollow Knight, on l'a tellement sorti au bon timing, parce que je me suis dit, qui va regarder une vidéo de 1 heure sur un jeu qu'ils ne connaissent pas? Parce que je me dis qu'en fait, la majorité des gens qui regardent ma chaîne, ils regardent du Mario, du Zelda, tu vois. Je me suis dit, mais jamais ils vont regarder une vidéo d'une heure sur un jeu qu'ils connaissent pas, tu vois, genre. Mais en vrai, je me dis que c'est un bon timing pour avoir sorti la vidéo, parce que genre là, vu que ça va être les vacances, bah, une vidéo d'une heure, ça se regarde tranquille, quoi, vu que c'est les vacances. Mais je peux comprendre qu'en semaine, c'est compliqué. En semaine, c'est assez compliqué. Ouh, grand saut cadencé. Alors là, moi, il me les faut tous, de toute façon, les badges. Même si je m'en sers pas. Ouais, de fou, les vacances, trop bien. What? Comment ça? Est-ce que tu veux changer de badge? Pas maintenant. Mais vous savez que la vidéo Hollow Knight, je me suis dit, putain, elle est à 1h03, est-ce que je cut pas des trucs pour qu'elle dure moins longtemps, tu vois? Ta gueule! Ta gueule! Ta la cascade! J'ai hésité à cut des trucs pour qu'elle fasse moins d'une heure, mais en fait, non. En vrai, je me suis dit, non, c'est pas grave. Bon, c'est pareil, j'hésitais à regarder, mais vraiment, c'était un 10 sur 10. Bah, merci. Les 4 semaines de vacances, c'est la deuxième semaine. C'est déjà bien. Il y en a qui ont 0. Disco du désert. Jure, il parle anglais, Luigi. Ah! Ah, faut sauter au rythme. C'est Osu! J'ai tellement hâte de faire tellement de vidéos sur ce jeu, mais... Même les mods, genre, il y en a déjà des 1000 et des 100, je suis choc bas. Merde, elle est où la deuxième pièce violette? Merde, j'ai raté? Oui, mais il y a des gens qui ont pas école. Ouais, je sais, mais c'est pour ça. Il y a des gens qui ont pas école et qui sont déjà dans la vie active et qui, donc, du coup, n'ont pas de vacances. Enfin, du moins, pas en même temps que les vacances scolaires, quoi. Et qui ont les congés. Des vacances, quoi? Réel. Moi c'est tous les jours les vacances théoriquement. C'est juste je dois live et faire des vidéos. Faut que je le refasse. Hop, 1, 2, 3, hop, tu avais vraiment le rythme dans la peau. Et grâce à toi on a reçu le badge saut en rythme. Jure. Ma gueule. Tu veux que je l'équipe? Ça ira. Bon, faut que je le refasse parce que du coup j'ai raté un purple coin. Moi j'ai encore mes études au lycée un peu le seum. Travailler toute l'année d'un côté. Bon, après, je peux partir en je peux faire des day off et partir en vacances aussi, plus ou moins quand je veux, mais. Après, c'est vrai que. Genre, je fais beaucoup d'heures par jour, quoi. Genre, je m'autorise très rarement les vacances, quoi. Les dernières vacances que je m'étais autorisé, c'était. Bah, c'était. C'était le Japon, quoi. Et avant le Japon, ça faisait méga longtemps. Je comprends même pas ce que ça nous donne d'être en rythme en fait, genre. Ah si, c'est pour faire grimper les trucs, ok. Moi, tu es ton employeur. Bah, plus ou moins, oui. Ah merde, attends. Ah, j'ai toujours raté la deuxième là. Ça, c'est la dernière, non? Ouais. Est-ce que ce serait pas en dessous par hasard?
Ah, c'est là. Ah, mais elle était juste un peu timide, ok. Ah, faut avoir le rythme dans la peau, sinon elle danse pas. Ok. Je suis mort de rire. Genre c'est marrant parce qu'en plus genre à chaque fois l'animation des rideaux elle s'anime de plus en plus à chaque fois plus t'as le rythme plus elle ouvre les rideaux genre. Après du moment qu'on fait ce qui nous plaît on se prend en vacances comme on kiffe. C'est vrai. Je suis d'accord. En vrai ça dépend. Enfin ça dépend parce que YouTube et Twitch tu fais rarement que ce que t'as envie quoi. Enfin surtout YouTube. Genre idéalement, je préférerais ne pas écrire un texte d'une heure pour pouvoir tourner une vidéo de Hollow Knight, tu vois. Que bon, ça, c'est pas la plus grande partie du plaisir. J'aime bien, hein, mais c'est pas ce que je préfère dans la vidéo, quoi. Genre, le fait d'avoir... Et j'ai passé au moins 20h, 25h sur l'écriture du script de la vidéo Hollow Knight. Bon, bah, c'était quand même long, quoi. Mais c'est vrai que par exemple, hier... Non, c'était pas hier. Si, non. Avant-hier, quand j'étais allé à Paris, qu'on a fait des trucs et tout avec Josplay, Loan, qu'on a fait un peu de sport et tout. Enfin, c'était cool, quoi. Là, pour le coup, j'avoue, j'avais pas l'impression de travailler, quoi. Recrute un Ghostwriter. Non, c'est nul. J'ai pas envie. En fait, le problème, c'est que je vais tout refaire, en fait, si je recrute un Ghostwriter. Mais en fait, j'aime bien écrire, tu vois. Alors, parfois, c'est relou quand t'es vraiment bloqué mentalement. Mais c'est juste que... Moi, pour moi, c'est important que ça soit écrit par moi-même, parce que sinon, on perd un peu l'âme du truc, quoi, je trouve. Genre, je sais pas comment expliquer, genre... Je trouve le texte, c'est le genre de truc, c'est super dur à déléguer pour moi, en tout cas. Parce que, genre, c'est trop important. Genre, tu vois, par exemple, les docus, genre, le docu Zelda, c'est typiquement, genre, une vidéo que j'ai fait avec le cœur de fou, et genre, je ne peux pas... Genre, autant le montage, je l'ai un peu délégué, tu vois, à face, mais... Jamais de la vie, je peux déléguer le script, quoi, tu vois. Je vous jure, ça me fait tellement penser à Journey. Piu. Clip millionnaire. Mais non, mais c'est vrai. Genre, tu vois, c'est ça qui fait aussi... Pour moi, c'est ça qui fait le... Genre, vous imaginez, The Great Review, il sous-traite le fait de faire les textes. Genre, je suis sûr à 100% que la vidéo n'aura pas du tout le même... Tu vois. C'est sûr, quoi. J'ai eu la pièce, au moins. J'ai eu la pièce. Genre pour moi, l'une des grandes qualités des vidéos de Great Review, c'est genre, c'est son script quoi. C'est sa façon d'écrire aussi. Donc s'il la donne, ce sera pas exactement pareil et ça se ressent quoi. So nice! Ok. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. T'es amoureux du jeu, mec, je suis tellement amoureux du jeu. Et je suis amoureux des Mario et des Zelda, mais ils comprennent pas. Un jour, ils comprendront. Le seul truc qui me fait me dire, putain, faut pas que je meure, c'est genre, je suis en mode, putain, je ne vais pas pouvoir jouer au prochain jeu Mario ou au prochain jeu Zelda. Je suis matrixé à ce point-là, oui. Oui. Genre t'imagines, je meurs entre le moment de l'annonce de Tears of the Kingdom et le moment où ça sort. Genre je n'aurais plus jamais joué de ma vie à Tears of the Kingdom. Tellement triste. La meuf aime les jeux vidéo. Ouais, en vrai, oui. Après, elle joue moins que moi. Mais on a fait genre It Takes Two, elle joue aux Sims, elle est fan d'Animal Crossing. On a fait Detroit Become Human aussi. On l'a pas encore terminé, mais on l'a commencé. On a fait Life is Strange aussi. Life is Strange 1 et 2. Donc oui, elle aime bien. Mais c'est pas... C'est pas... Elle geek pas autant que moi, tu vois.
Sage, imaginez, en Chine, ils ont pas Fortnite, c'est trop triste. Oh non! Trop triste. Du coup, on a la date de Silksong? Non, je crois pas. Life is Strange, c'est dinguerie. Moi, je kiffe beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. On travaille à ta copine? De quoi, de jouer aux jeux vidéo? Non, non, non. Bah non, contrairement à moi, quoi, oui. Faut que j'arrive à trouver la première Green Wonder, là. T'as quel âge? J'ai 57 ans. Voilà, bientôt la retraite. Je les fais pas, bah merci beaucoup, c'est super gentil. Vous me flattez. Je suis en 2003, ouais. Elle est où la Green Wonder de con, frère? Où est-ce qu'elle peut être? Pas les fleurs qui parlent hyper casse-couilles. Bah en vrai quand on enchaîne vite le niveau, oui. Et apparemment on peut les désactiver, mais si vous... Mais parfois je trouve c'est marrant parce que je peux enfermer des vannes, genre parfois elles... Parfois elles disent vraiment des trucs de con, tu vois, du coup c'est drôle, mais c'est vrai que le bruit... En fait c'est plus le casting qui est relou, quoi, genre... Genre leur voix est trop goofy, c'est... Elle est cachée quelque part. Non, ta gueule. J'aime bien moi. Ah ouais. Je sais pas, hein. De toute façon, si c'est pas les fleurs, c'est qui est chiant, c'est le bruit de saut pour certaines personnes. Donc en vrai, c'est... Ouais, c'est personnel à chacun, quoi. Moi, j'aime bien. Enfin, bon, les fleurs, ça me saoule, mais le son du saut me dérange pas. Je le trouve smooth, je le trouve moderne, je sais pas comment expliquer. Tu vas en faire une vidéo, Mario Wonder? Évidemment. Évidemment qu'on va en faire une vidéo, oui. Elle sortira dans la semaine, mais après, je sais pas trop quand, mais ouais. En avant Guingamp. Mais mec, où est-ce qu'elle peut être cette truc de con là? Je n'ai pas envie de savoir où est-ce que c'est, Pierre. En fait, c'est pas parce que je dis où est-ce que c'est. Arrêtez le backseat, je vous en conjure. Arrêtez le backseat, s'il vous plaît. C'est pas parce que je trouve pas directement que j'ai envie d'avoir la réponse, par pitié, quoi. Y'a pas le message épinglé. Ok, bon, heureusement que le mec m'a backseat, c'est cool. Ouh, c'est The World. J'ai l'impression que c'est pas un vrai Mario Bros. Bah, ça renouvelle la recette, quoi, je trouve. Satané, Pierre. Hein. Toki Automate. Ok, automate. C'est un bon nom de pizza, je pense. Oh, en vrai, je trouve que c'est un peu le Mario Bros Ultime, ouais, vraiment. Franchement. Je me régale tellement. C'est tellement les choses simples, en fait, ce Mario, genre. C'est tellement les choses simples. François accroupi. Go jouer la princesse Daisy. Vous savez où, dans quel Mario Daisy a fait son apparition? Je crois que le tout premier Mario, c'était... Mario Land, là. De toute façon, on l'a fait dans la vidéo... On l'a fait dans la vidéo... Grand saut accroupi. On l'a fait dans la vidéo finir tous les Mario 2D en 10 heures. Merci KSZ94 pour le Prime.
Comment faire un long baguette? Je ne peux pas faire de long baguette. Moi, de toute façon, j'en ai à l'infini. Genre, à côté de mon logo des baguettes, j'en ai littéralement à l'infini, genre. Yes! Oh, c'est tellement stylé. Je trouve ça tellement smart de faire des niveaux genre dédiés à un badge. Oh! 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 Ouh! Ok, let's go. À ton avis, il évolue sur le game? Non, franchement, non. Hein. Le jeu est toujours... Non! Pourquoi j'ai mis le stick vers le bas? Essaye encore, jure et respawn les plateformes. Je me demande si ce serait pas plus simple avec le D-pad. Ah ouais, ok, c'est chaud, faut que j'arrive à faire un wall jump. Mais pourquoi je remets le stick vers le bas, mec? Je suis un grand pand. Je crois que c'est désactivable ça, attendez. Ah, j'ai jamais fait les options. Courir et sauter, ok. ZL dans les airs, voilà, juste ZL dans les airs, voilà. Parce que stick vers le bas, c'est bon, frère. Compte en mouvement, ok. Vibration forte, j'adore quand les vibrations, elles sont... Bordé d'eau. Menu des badges en cas de défaite, ok. Voix et texte affichés. Texte seulement, ouais, voilà. Texte seulement, je pense que ça va être bien. Ok. Pas déçu qu'il n'y ait pas de DLC pour TOTK? Non, parce que ça veut dire qu'il bosse... Ça veut dire qu'il bosse déjà sur le prochain Zelda, qui sortira sur la prochaine console de Nintendo. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus que, IMO, on a eu assez de contenu sur Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, genre avec ce moteur graphique. Franchement, genre au début, quand j'ai entendu dire qu'il n'y allait pas avoir de DLC, j'étais un peu triste, mais avec du recul, c'est le meilleur move, je pense, qu'il puisse faire. Parce que ce qui a retardé aussi le Tears of the Kingdom, c'est que bah ils avaient fait les DLC et tout, tu vois, c'est ça quoi. Tu viens de maîtriser les effets de ce badge, tu veux mon équipe? Ça ira, chef, ça ira. C'est quoi la prochaine console? Elle n'a pas encore été annoncée, mais je pense qu'il y en a une qui sortira en 2024. Mais après, bon, rien n'est officiel quoi. Et je pense qu'on aura même un Mario 3D fin 2024. Mais bon, après ça, ce n'est que moi, hein, mais... Voilà, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Jure! Ta gueule! Mario Sunshine! Oh là là! Exceptionnel. La vie est tellement plus belle sans le bruit des fleurs. Ce qui me fume, c'est qu'ils ont mis dans les options, ils savaient que ça allait casser les couilles à tout le monde. Ils ont dit, vas-y, vous pouvez désactiver. Vous préférez avec les voix ou sans les voix des fleurs? Genre vous préférez que je désactive? En vrai, juste le texte c'est cool je trouve. Avec? Ah ouais, vous préférez avec? Si, sondage, lancez un sondage. Without. Le mec parle anglais. Relou. Moi j'adore, elles sont marrantes. Elles sont goofy. Oh mais ça va tellement plus vite. Je trouve pas ça insupportable mais c'est compliqué quoi on va dire. Oula. Nice. En fait, Mario Bros, ça aurait tellement dû être ça depuis plus tôt, c'est une dinguerie. Hein. C'est grave dur tout seul.
Ok. 75-25 pour avec. Ok. Là, je le remettrai alors. Oh putain, il y a 4 étages. Le badge dauphin sous l'eau. Mec, ça donne de l'intérêt à littéralement tous les... À tous les niveaux aquatiques, quoi. Parce qu'avant, c'était vraiment une purge, mais... Ok. Oh putain, j'ai plus rien. Ah ouais, je crois que c'est 100 secondes pour ce truc-là, là. Je crois qu'on va pas l'avoir du first try. Ouh, encore que. Boum, boum. Boum, boum. Et voilà. D'ailleurs, si vous avez kiffé la vidéo Hollow Knight, sachez qu'il y a tout... Il y a toute l'aventure sur la chaîne Julian Replay. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Sans cut. Tous les lives, genre les 60 heures de live. Aïe, le pont. Je réparerai bien ce pont, mais flétri comme je suis, je n'ai plus aucune énergie. Quoi, tu me donnerais des pièces flair? 50! Chef! Nintendo, ils aiment trop le mot prodige. C'est réel. Mais c'est sympa comme mot. C'est sympa, je trouve. C'est horrible. Vous avez vu ce qui arrive au palais? Et puis ce garnement, ça l'est approprié. J'ai tellement peur que je n'ose plus l'approcher. Avant, il était entouré d'eau fraîche. J'aimais beaucoup y passer mes journées avec mes amis. Mes pétales appréciaient beaucoup aussi, en fait. Mais c'est fini, tout ça. Je ne me bougerai pas d'ici. Donc, on n'aura pas chassé ce petit vaurien. Oui, du coup, je remets le son des fleurs. Voilà. Jure ! Attends, on peut les mettre en japonais. OMG ? OMG ? Weebs ? Weebs Power ? What ? Ok... What ? C'est le Taj Mahal, derrière ! C'est le Taj Marial. Yoga ça. Elle est plus stylée déjà. Sans vouloir faire le Weebs. Mais regardez-moi les petits trucs d'ambiance là, c'est tellement mignon. Mec, je suis tellement amoureux de la palette de couleurs là. Non mais je sais que ça fait très nerd, mais là la palette de couleurs me fait des choses. La palette de couleurs c'est très fan de cinéma, mais là elle me fait vraiment des choses là. Mec, les couleurs sont tellement belles. I can fix that, c'est réellement ça. You look lonely. Ça, dos. Mais elle le tient comment? Comment elle le tient là? Ah, dos. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire? Regardez-moi ça. Mais ça, le truc des clés, c'est tellement Mario Maker. Alors vous allez me dire, non, c'est déjà dans Mario. Dans Mario, Mario World. C'est un dégradé de hashtag D9374B à 6000, si tu veux. Très très nerd. Et je peux l'avoir en hexa ou pas? Je peux l'avoir en... Bah c'est déjà les hexas, je crois, non? Mec, c'est tellement beau. Regardez, il y a des effets de lumière là, du coup, sur Daisy. Ok, je l'ai vu. Je l'ai trouvé. C'est tellement beau, frère. Ça va être tout noir. Ta gueule.
C'est une référence, les gars. Je dis pas juste ta gueule à un viewer, c'est une référence. Oh Mario Cosmic. Non, l'affreux Mario. What the fuck? Ça va être tout hashtag 00. Réellement nerd. Chef. Est-ce qu'il nous suit dans le... Ok. Oh oui d'accord, donc c'est comme Madeline. C'est comme Badeline. Mais mec, c'est réellement Mario Cosmic dans... Iiii, Mario Galaxy. Oh. Mec, il a la même voix que Xanto. Ouais, ok, c'est mieux, parce que là, j'ai désactivé. Avant, c'était avec la flèche du bas, mais là, maintenant, c'est avec la gâchette. Je pense qu'il vaut mieux l'activer qu'avec la gâchette, ça sera beaucoup plus agréable. Comme ça, le stick, tu t'en sers juste pour te déplacer et pas pour grimpant. Ok. Mec, c'est tellement exceptionnel. Oula. What? Ok. Ok. J'ai somme d'avoir manqué 8 heures de jeu. Ah bah, fallait être là. Fallait être là, j'ai streamé hier toute la journée. Moi je vous attends pas. Alors attendez. Oh alors attendez. Y'a un truc en haut là? Non. Il est complexe ce niveau, hein. Attends, mais ça, c'est obligé, c'est une... C'est obligé, c'est une pièce violette, ça. J'ai pas un jeu Switch, à part Hollow Knight et Mario Wonder à me conseiller. Minish Cap. Le mec qui conseille tous les jeux qu'il a fait en vidéo, tu sais. Vous voyez, mon intuition était bonne. Oh merde, j'ai raté la deuxième. Oh non, je vais devoir tout refaire. Je pense qu'elle était dans la zone avec Cosmic Mario, mais j'ai dû la rater. Dark Mario. Je suis dans un animé. My bad! My bad! Tant mieux, tant mieux, tant mieux! Vous aimez bien comme ça en japonais? Vous êtes des weebs aussi? Ah ok, faut que je monte par là. Ok. Ah oui, ok, j'ai capté. Ah mais non. Yoku Kangairundane. En vrai, vu que je parle un peu japonais, je comprends ce qu'ils disent. Genre même sur le texte. Mais voilà, je flex. Oui, je flex. On peut remonter comme ça. Mais est-ce qu'on peut passer là? Ok. Omeretou! Et voilà! Et voilà! Et là, on a fait le niveau en one shot! Tu penses pouvoir finir le 100% avant 10h? De quoi? Avant 10h au timer ou avant 10h en cumulé? Toujours bon pour toi, mardi à 20h. Pourquoi JD il me dit est-ce que c'est bon pour toi? Mardi à Among Us ça vous dit ou sur la nouvelle map à Among Us? Ah au timer! Non 10h laisse tomber frère. Le timer ça va pas en cumulé. Si mais c'est en mode genre est-ce que c'est le timer du live ou est-ce que c'est le timer depuis le début?
En vrai, vas-y, il y aura Jidey, il y aura Gil. Pas un jeu à me conseiller, je m'ennuie grave. Hollow Knight, Mario Wonder, Minish Cap. Alors attendez, je règle juste 2-3 trucs. Aïe aïe aïe, Rémi ne répond pas. Mario Wonder, attends, c'est comme ça qu'ils disent. Attends, il a mis comment Josplay sur sa chaîne replay? Josplay replay? Mario Wonder, ouais, je pense que c'est juste le meilleur. Super, nous voilà sortis du labyrinthe. Ce désert est vraiment mystérieux quand même. Oh, j'ai besoin de me souvenir de quelque chose. Il paraît qu'un badge serait caché dans ce désert et qu'il te permettrait de courir un peu plus vite. Speedrun. Ascension nocturne. Ouh, je vais me régaler. Merci Kazua Mok pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À quel niveau là? Je suis au monde de 4. Attends. Je suis à chier là. Ok, c'est bon. Oh, il y a un truc au-dessus là. Non, ok. OMG, le badge speedrun. Mec, c'est tellement le badge speedrun. Rémi n'est plus là, mec. En vrai de vrai, Dumbo, je sais pas si t'es dispo aujourd'hui, mais je veux bien que tu me fasses une miniature pour qu'on puisse publier... pour qu'on puisse publier la première VOD, parce qu'il est juste pas là, quoi. Genre, Rémi ne répond pas. Mais un truc simple, tu vois, genre c'est la chaîne replay, quoi. Si ça te dérange pas, moi je veux bien. Merci Kazuamok pour l'abonnement offert à Mathilde ainsi qu'à Matos25, merci beaucoup. C'est juste pour l'épisode 1 de la chaîne replay. Et le titre, ça sera un speedrunner découvre Mario Wonder. Ou alors un speedrunner de Mario découvre le nouveau... Non, ouais, un speedrunner découvre Mario Wonder, je pense que c'est bien. J'ai donné ce titre pour Tears of the Kingdom. Alors... Je mets ta tête? Non, mets juste le jeu, t'inquiète. Waouizaoui! Daisy Elephant, c'est mignon, je trouve. Genre, le design est mieux réussi que Toadette Elephant, je trouve. Genre, Toadette Elephant, c'est vraiment très étrange. Ok. Pas ouf le titre. Bah oui, vu que t'as une chaîne YouTube à 500 000 abonnés, tu sais évidemment les titres qui fonctionnent sur YouTube. On t'écoute, vas-y, dis-nous. Mec, dis-nous le titre, Maggie dit. Vu qu'il a une chaîne avec plus d'abonnés que ma chaîne Julgan, je pense qu'il sait évidemment mieux que moi comment faire des titres. Je sais même pas ce que c'est là, le truc que j'ai poussé là. Ah si, c'est le mur à droite. Genre vous pensez que un épisode en mode je découvre Mario Bros Wonder. Bon, c'est nul. Ça veut rien dire ça? Bah si. Bien sûr que si. Être un bon youtubeur, c'est savoir faire des bons titres et des bonnes miniatures. C'est littéralement l'une des compétences demandées, quoi. La popularité te rend plus légitime. Bah non, mais genre... Savoir faire des bons titres, c'est ce qui te donne le plus de chances d'avoir justement de la popularité sur YouTube. C'est une preuve, quoi. C'est pas nécessairement
Comment dire, c'est pas nécessairement... C'est comme avoir un diplôme, tu vois. C'est comme avoir un diplôme. C'est comme, genre, tu vois, par exemple, genre, t'as un diplôme, je sais pas, en informatique, tu vois. Ça prouve que tu sais faire telle ou telle compétence sur l'informatique. Et bah, le truc, c'est que... Sauf que le truc, c'est que tu peux savoir faire telle ou telle compétence en informatique sans pour autant avoir un diplôme, tu vois. C'est pas nécessaire, tu vois, mais je veux dire... C'est une preuve, quoi. C'est juste une preuve. C'est une preuve de compétence, quoi. Et genre, par exemple, genre, si t'as un diplôme qui dit « Oui, je sais coder en HTML, nanani, nanana », bah, d'accord, t'as un diplôme qui le prouve, mais tu peux très très bien le savoir le faire sans l'avoir, quoi. Mais c'est juste, je veux dire, moi je peux entendre le fait qu'il trouve le titre nul, mais alors propose-en un autre. Genre c'est trop facile de dire oui le titre il est pas ouf, propose-en un autre, on va voir s'il est plus efficace, enfin si je le trouve plus efficace. Moi je suis ouvert aux propositions. Stonks. Mais non mais je veux bien entendre que le titre il plaise pas ou quoi, mais genre j'ai... Alors faites des propositions, tu vois. C'est ça le problème. Streamer règle le conflit israélo-palestinien grâce à Mario. Titre, je speedrun Mario Wonder. Oui, sauf que le problème c'est que ça parle pas aux gens. Vu que, bah, déjà de 1, le problème du titre je speedrun Mario Wonder, c'est que c'est pas le cas parce que je prends mon temps pour la découverte. Et de 2, tous les gens qui me connaissent pas, ils vont dire bah c'est quoi le jeu, tu vois. Ouais, c'est même pas un speedrun, quoi. On 100% Mario Wonder. Bah ouais, mais je vais pas mettre ça à chaque VOD, tu vois. Le truc, c'est de mettre un nouveau titre à chaque VOD, je pense. Parce que c'est un let's play, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord, c'est bien beau de critiquer, mais pour moi, le fait d'avoir plus de popularité ne définit pas que tu as plus de savoir-faire. Pas nécessairement, mais c'est quand même une preuve, quoi. Surtout que vraiment, savoir faire des bons titres, c'est l'une des compétences clés d'avoir une chaîne YouTube populaire, justement, pour moi. Mais non, 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 je suis d'accord, c'est pas forcément, mais c'est quand même une preuve, quoi, tu vois. Bon, bref. On tourne en rond dans ce débat. Comment je fais pour amener le truc là? Je peux le tirer ce truc là en fait? Ah non, d'accord. Ah d'accord, ok. Et ça c'est là d'où je viens. Un Mario avec du gacha? Ah non. Non, c'est pas bien. C'est sur un truc super précis, enfin je sais pas. Je sais pas. Mais de toute façon, là, c'est juste pour la chaîne replay, hein. Enfin, je veux dire, nos prises de tête, tu vois, le titre, hein. Je me prends pas la tête, hein. C'est juste pour la chaîne replay, hein. Tout, c'est ton job, donc s'il y en a bien un qui sait faire, c'est toi. Oui, voilà, c'est ça. Genre, en gros, je propose un titre, on me dit, waouh, pas ouf le titre, tu vois. Donc, indirectement, c'est quand même, on me dit, ouais, bah, frérot, là, t'as mal fait ton taf, tu vois. Donc, bon, c'est pas non plus le commentaire le plus sympa. Alors, je veux bien l'entendre, mais donc, du coup, proposez-moi d'autres choses, tu vois. Mais pour l'instant, tous les titres qu'on me propose ne sont pas... Enfin, moi, à titre perso, je les trouve moins bien. Mais bon, après, vous avez le droit de... J'asperge avec ma trompe tout le monde. Oui, parce que, enfin, le truc, c'est que moi, genre, mine de rien, des titres, j'en fais tous les jours, quoi. Et alors, bien que la popularité d'une chaîne ne... témoigne pas forcément des compétences, bah le fait que je fasse des titres tous les jours, c'est que j'ai de l'XP, quoi, tu vois. C'est surtout ça, quoi. Et ça, je l'ai eu. Tu fais de bons titres qui attirent plus de gens, ce sera plus efficace. Si tu fais un let's play, le mieux est de te faire trouver une trave qui est intéressante, puis après le nom du jeu.
Ouais, voilà. Un speedrunner, du coup, Mario Wonder. Donc, il y a le mot-clé Mario Wonder, le mot-clé speedrunner. Comme ça, même les gens qui me connaissent pas, ils sont en mode, bah, c'est qui ce speedrunner? Tu vois. Donc, je trouve le il est court, efficace. Tu vois. Et même les gens qui me connaissent, ils savent que je suis réellement un speedrunner de Mario, quoi. Mais, c'est pas pour autant que j'ai dit un speedrunner que, donc, du coup, c'est un speedrunner qui découvre, donc c'est pas un speedrun, tu vois. C'est ça aussi le truc. Ah, par contre, il me manque la première Green Wonder, ouais, c'est ça le problème. D'accord. Le streamer joue Daisy. Mais j'ai joué tous les persos. Pourquoi faire une vérité? Mec, j'ai joué tous les persos, c'est juste là j'ai joué Daisy récemment. Mais Daisy, je trouve, elle est trop stylée en éléphant, en premier degré. Comme tu veux, Dumbo, vas-y, ouais. Est-ce que c'est le live final de Mario Wonder? Ah non, mais mec, on va tellement faire des vidéos sur Mario Wonder, enfin des lives aussi. Après, c'est sa chaîne, il fait l'éthique qu'il veut, et si les gens ont pas envie, ils feront pas, sinon tant pis. Oui, voilà! Non, mais ça me dérange pas, tu vois, qu'on me dise le titre est pas si ouf, tu vois, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on me dise ça, tu vois. Mais c'est juste, est-ce que du coup vous avez d'autres choses à proposer? Parce que du coup, juste le fait de dire c'est nul et de rien proposer de mieux, bon bah ça fait pas avancer les choses quoi, tu vois. C'est ça le problème. Ah, c'est peut-être là, je pense. Donc c'est juste pas pour rabaisser, c'est ok de critiquer. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouh. Oi. C'est juste désagréable. Oui, mais là, je veux dire, je sens que là, c'était pas dans une mauvaise intention, quoi. Le mec a dit pas ouf, le titre. Jure, sortie secrète. Je sens que c'était bienveillant, quoi. C'était pas malveillant. Quoi. Speedrunner cherche un nom pour sa vie. Je découvre Mario Wonder, mais j'ai pas d'idée de titre. Attends, quoi? Attends, mais... Merde, mais je pensais que c'était la deuxième, mais en fait, j'ai encore trouvé autre chose. Oh lolo. Non, pas d'accord, tu peux dire qu'un titre est nul, mais seulement dire j'aime pas le titre. Non, mais c'est surtout, est-ce que c'est votre métier? Oui, non, alors, enfin, le truc, c'est que si vous ne faites pas des titres tous les jours, vous... Je suis désolé, mais c'est juste vous connaissez pas la réalité de faire un titre efficace, quoi. Qui fonctionne sur YouTube, tu vois. C'est ça, l'objectif, quand même, tu vois. C'est juste comme ça, tu vois, c'est comme moi, genre... j'ai jamais fait de la musique, j'écoute de la musique, mais j'ai jamais fait de la musique, donc du coup, je ne sais pas... Comment bien mixer une musique, ou alors comment bien j'ai réglé les volumes, tu vois, et je le sais, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je vais pas non plus faire des critiques et donner mon avis si, par exemple, un pote, il fait une musique, et je lui dis, ouais, bah, peut-être que ça, tu vois, personnellement, j'aurais plus mis un truc comme ça, quoi. Mais c'est juste, c'est assez touchy, tu vois, quand... Voilà, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas fait ce métier qu'on va pas donner un avis. Oui, je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Je dis pas le contraire. Mais parfois, les avis, de par le fait qu'il y a certaines choses dont vous vous rendez pas forcément compte parce que vous n'êtes pas dans tel ou tel univers, bah du coup, c'est pas des choses... C'est pas nécessairement des avis à prendre en compte pour s'améliorer, tu vois. Mais ça arrive, tu vois, c'est comme ça. Genre par exemple, tu vois, il y a des gens, ils vont dire, je sais pas, genre sur une musique, ils vont dire « Oh là là, la voix, elle est pas assez forte comparée à la prod, tu vois. » Et sauf que le mec, il va te dire « Bah non, justement, c'était mon intention parce que je voulais que ça fasse tel ou tel effet, tu vois. » Et donc du coup, ça serait bête de prendre en compte cet avis alors que c'était l'intention de base, tu vois ce que je veux dire. Justement, dire c'est nul, c'est pas un avis. Oui, c'est vrai, parce que là, c'est vrai qu'il a dit pas ouf le titre. Mais c'est juste, ouais, je sais pas si... Ouais. Que faire un bon titre premier degré sur YouTube, c'est très compliqué, hein. Alors, parfois, moi, j'ai passé plusieurs heures à me... Bah, typiquement, la vidéo Low Night,
J'ai passé plusieurs heures à me creuser la tête, à me dire quel combo de titre va être le meilleur, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Et même à la fin, quand je l'ai posté, j'étais même pas sûr de moi, tu vois. Ah, let's go, ok. Nice. Je trouvais pas le truc. Mais évidemment que je ne suis pas fermé à la critique tant que c'est dans un but d'amélioration. En tant que c'est dans une démarche bienveillante, quoi. Et c'est même ce qui m'a permis de m'améliorer jour après jour, quoi, tu vois. Jure. Je suis mort. What? Justement, Josplay, il fait une liste de 7 titres et il reste des dizaines de minutes en stream pour trouver le meilleur. Mais oui, mais c'est pas facile, hein. Miniature, c'est dur à faire, après tu prends l'habitude. Franchement, les miniatures... Genre, jour après jour, tu... Jour après jour, tu... Comment dire, tu... En fait, les miniatures, c'est différent à chaque fois, donc en vrai, c'est compliqué, hein. Parfois, genre, je fais une miniature, je la trouve à chier, quoi. Je la trouve nulle. Tu es pas fermé, mais tu prends sa remarque super à cœur, quand même. Bah, c'est justement parce que je suis pas fermé. C'est justement parce que je suis pas fermé. Mais je la prends à cœur parce que bah du coup il n'y a pas eu trop de développement, quoi. Genre, ok c'est facile de dire que le titre est pas ouf, mais alors pourquoi est-ce qu'il est pas ouf? Pourquoi est-ce que selon toi il est pas ouf? Et si oui, quels seraient les points d'amélioration, quoi, tu vois? Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est quoi ce truc de con, là? Merci, Iwoko le rigolo, pour le 12e mois. Les gars, encore une fois, pas de backseat, hein, s'il vous plaît. C'est pas parce que je galère quelque part que j'ai envie d'avoir la réponse non plus. Mais évidemment que je prends les remarques sur mon taf à cœur, bah parce que justement c'est mon taf et que tu vois, genre j'y mets mon cœur, quoi. Genre moi les remarques qui me font le plus mal, c'est quand c'est sur une vidéo qui me tient à cœur de fou, quoi, tu vois. Genre plus une vidéo me tient à cœur, plus je vais prendre positivement ou négativement les commentaires dessus, quoi. Tu vois, genre je vais vachement plus les prendre à cœur. Va dire à un boulanger que son pain est pas foufou. Réel. Ah d'accord, ok, c'est un fake wall. Ah d'accord, ok. Kamega Ugokunda. Je peux pas rentrer là? Chef! Chef! Ah mais merde, je suis con, j'aurais pu encore le pousser! Oh, je suis débile. Le message est déjà assez gros comme ça, je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à voir. Oh oui, bon, ça j'ai arrêté de comprendre. Ça j'ai arrêté de chercher à comprendre, perso. Mec, j'ai juste arrêté de... Juste arrêté de chercher. Mec, les petits, c'est le genre d'insectes roses, là. Insane. C'est juste le mot speedrunner. Tout le monde s'intéresse pas forcément au speedrunner. Tandis que je gagne, ouais. Enfin, t'es désabonné. Ça marche, tes vidéos, donc mon avis, OZF. Non, mais t'inquiète. Bah, là je suis content que t'aies développé. Mais du coup, je comprends mieux ce que tu veux dire. Mais non, mais non, t'inquiète. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, genre, donc pour toi, c'était mauvais parce que, genre, le mot speedrunner, c'est pas un mot très répandu. Ouais, je peux comprendre. Bah en vrai je pense que le mot speedrunner, enfin je pense que tous les gens connaissent le mot speedrun.
et donc le mot speedrunner par extension, tu vois. Je sais pas. Je me trompe peut-être, hein, pour le coup. Oula. Mais je sais pas, généralement c'est ce que je mets pour chaque découverte de jeu, et je sais que pour Tears of the Kingdom ça avait bien marché. Donc je me dis, tu vois, parfois sur YouTube, faut juste pas se prendre la tête et... juste refaire des trucs qui ont déjà marché, tu vois. C'est commun dans la commu gamer, mais ça reste assez niche. Oui, mais évidemment, après ça reste une chaîne replay, tu vois, c'est pas le titre de l'année non plus, quoi. Et je trouve que le speedrun, petit à petit, ça se démocratise de plus en plus, hein. Mais même, là, regardez, le jeu Mario, il est... Genre, je trouve qu'il a tellement une direction beaucoup plus... Beaucoup plus... speedrun tiers, quoi. Merci Moussand pour le Prime. La traite de speedrun n'est pas très compliquée, donc même si tu peux devenir, c'est assez compliqué. Oui. Oui, et puis même, bah, typiquement, même sur Mario Maker, genre le truc, c'était... Il y avait des niveaux speedrun. Je crois que c'était d'ailleurs un tag sur Mario Maker, en mode... niveau speedrun, genre... C'était l'un des tags, genre, pour définir ton niveau, quoi. Je pense finir l'histoire principale aujourd'hui... En vrai, oui. Le truc, c'est que si je termine l'histoire principale, je l'ai aussi terminé à 100%, alors. Mais j'avais déjà mis ça, j'avais déjà fait un titre un peu comme ça, genre un pro de Mario découvre Bowser Fury. Ça avait bien marché, alors que c'était juste une petite vidéo découverte, tu vois. Mais c'est vrai qu'un pro de Mario, je sais pas si c'est... Bah, un pro de Mario, c'est plus... large, je pense que ça prend plus large au niveau du titre, plus que bah un speedrunner, quoi, ça c'est sûr, mais... Je sais pas, je trouve un pro de Mario, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça veut tout et rien dire. Genre, mec, ça m'avait tellement vanné sous cette vidéo. Genre, sous la vidéo Bowser Fury, genre, il y a eu au moins 10 commentaires en mode « Le titre, 2 points, un pro de Mario », et genre, dans la vidéo, « Ah putain, on peut appuyer sur Y pour sprinter !» Genre, je trouve, dans un Mario 3D, appuyer sur Y pour sprinter... Appuyer sur un Y pour sprinter, c'est chelou, quoi. Genre, c'est que à moi que ça fait bizarre. Mec, ils m'ont tellement taillé. Après, mérité, tu vois. Après, mérité, faut que j'assume mon titre. Mais j'ai assumé mon titre jusqu'au bout, tu vois. Mais oui, je trouve que c'est pas commun dans les Mario 3D d'appuyer sur Y pour sprinter, mine de rien. Parce que sur les Mario Bros, ok, tu vois. Mais sur les Mario 3D, il me semble pas que ça soit quelque chose de commun. Un pro Mario, ah, on peut sauter. Mais c'est normal, je découvre le jeu, tu vois, je peux pas tout savoir du jeu dès le début, si. Je sais pas. Chops. Oh, chef. 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 La cantine. Non, t'es obligé de connaître le 100% direct. D'accord. Ça fait tellement peu de vidéos Bowser Fury, ça me rend triste. Bah, le peu de vidéos que j'ai fait, elles ont franchement pas tant plus que ça, en vrai. Mais il y a déjà 3 vidéos où il y a du Bowser Fury, hein. Il y a 3 vidéos où il y a du Bowser Fury, quand même, hein. Mine de rien. Il y a tous les Mario en 24 heures. Il y a un pro de Mario découvre Bowser Fury. Il y a Bowser Fury, mais le floor, c'est de la lave. Le sol, c'est de la lave. Mais tous les Mario 3D, ça compte pas. Oui, c'était pas une vidéo dédiée. Oui, c'est vrai. Le sol c'est de la lave, la découverte et... Ouais, non, c'est juste le sol, c'est de la lave et la découverte. C'est les deux seuls trucs qu'on a fait. Oula.
Oh, ok. Ah, j'ai vu la dernière pièce. Ici. Nice. Mec, il est mignon ce niveau dans les nuages et tout. Est-ce que j'ai toutes les graines Wonder? Je sais pas. Avec le sol, c'est de lave, c'est cool. Ouais, c'était cool. Ouais, elle était bien, mais genre... C'est pas la vidéo qui a le plus plu, quoi. Donc je me suis dit, autant faire des vidéos sur Mario Odyssey. Parce que Bowser Fury n'a pas tant de buzz que ça. En vrai, je sais pas. Aux US, si, mais... On fait voir Bowser Fury. Mec, ça date, en vrai, hein. Ouais, genre, dites-vous, la vidéo Bowser Fury, au bout d'un an, elle est même pas à 200 000 vues. Alors, pour moi, c'est pas un très bon score, tu vois. Genre, c'est vraiment dans la fourchette basse de baiser. Alors que pourtant, c'est un bon concept, tu vois. Bowser Fury, le sol, c'est de la lave. Il y a des trucs stylés, tout, c'était bien monté. Genre, dites-vous, Hollow Knight avait plus de vues que ça en 2 jours, genre. Genre, même Geometry Dash avait plus de vues que ça en 1 jour. Le problème, c'est que personne connaît Bowser Fury. Ouais, c'est ça. Oh, le badge d'invisibilité, ta gueule! Non, attends, ils vont nous donner le badge d'invisibilité? Après, c'était fun. Mais oui. C'est pour ça. Mais vous savez que moi, je pensais vraiment pas que ça allait faire des vues, la vidéo Hollow Knight, hein. Je suis choqué. Mais moi, de toute façon, en fait... Avant, j'étais trop dans une mentalité en mode « Ok, faut que faire le Mario Odyssey parce que sinon ça va pas faire de vue, ça va pas plaire, nanana. » Et là, en vrai, j'essaye un peu de me diversifier en ce moment, genre Geometry Dash, Hollow Knight, fais des trucs comme ça, mais ça plaît de fou, quoi. Je suis vraiment choqué. L'objectif, nouvelle vidéo, finir Mario Wonder seulement avec le badge d'invisibilité. T'as raison de vouloir dire si, c'est très lourd. Mais oui, mais ça vous plaît, moi je suis tellement heureux parce que du coup j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de m'enfermer dans un seul type de contenu, genre de jeu vidéo à faire. À quoi sert ce badge? Je sais pas, en fait, il y a des badges experts, c'est ce qu'ils appellent les badges experts, c'est juste des badges qui ne servent à, qui ne t'aident pas, mais qui rajoutent de la difficulté, en fait, j'ai l'impression. Genre, par exemple, le badge ressort aussi, tu vois, c'est un peu ça. Ah ouais. Et tu peux... Oh. Yes! Wouhou! Putain, j'ai eu peur de pas avoir eu le golden checkpoint. En vrai, à partir d'aujourd'hui, il y aura une VOD sur la chaîne Julien Replay par jour sur Mario Bros Wonder. Je pense. Si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, on va pas tarder à terminer la troisième VOD, là. Pour le rec. Beau travail. En plus, on a reçu le badge que tu viens d'utiliser en cadeau. Je peux en équiper, Steve. Ça ira. T'inquiète. Monde spécial. Mec, le speedrun va tellement être exceptionnel. Non, je... Mario Wonder me rend tellement heureux. Désert cuisant, tendage de perche. Quoi? Très très hâte du speedrun. Mec, ça va être exceptionnel. Oh là là, Daisy, c'est tellement une princesse. En violet, comme ça. C'est déjà 8h33 en cumulé, ouais, depuis hier, mon temps de jeu. Oh là. Pourtant, il est enfantin. Bah, comme tous les jeux Mario, non? Je sais pas. 5 étoiles de difficulté, hein, mec, le monde spécial. Je sais pas s'il y a 6. On verra s'il y a 6. No spoil, hein, évidemment. Oh! Chef! Ok, je l'ai eu. T'es pas nard, là, Sniffa. What? Comment ça, mon ref?
Mais je sais pas, je trouve que la tenue Bubble de Daisy est incroyable. Oh non, non, non. Oh, ok. Oh putain, heureusement que j'ai pris... Mais mec, la paravoile, c'est tellement un badge passe-partout. C'est réellement un badge passe-partout. Chef, dépêche. Ils sont gays. Bah oui, dépêche-toi. Chef. Non. Non. J'ai eu la pièce violette, c'est pas grave. C'est pas grave. Mec, en vrai, le niveau, il est challenging. C'est sympa. Mais what, c'est pas simple. Mais c'est parce que c'est le monde spécial. C'est le monde spécial, c'est pour ça. Mais c'est cool parce que le monde spécial, tu le fais petit à petit. Genre, en fait, c'est pas en mode tu découvres le monde spécial et tu fais tous les niveaux du monde spécial d'affilée. C'est tu fais le niveau spécial de tel monde. Tu vois, genre, en fait, dans chaque monde, t'as un accès au monde spécial. On pense quoi que ça te concavélise quand même les collectifs, même en mourant? Bah tant mieux en vrai, je trouve. Comme Donkey Kong Country Return, mec. J'ai tellement... Et pour l'instant j'ai fait zéro vidéo sur Donkey Kong, mais le nombre de concepts qu'on pourrait faire dessus, je suis assez choqué. Hein. Est-ce que là il va être une vidéo YouTube? Oui, c'est prévu. T'installes le jeu, je vais y jouer cette nuit. OMG! Régale-toi chef. Oula. Ok. Mec, Donkey Kong, Tropical Freeze et tout, il y a tellement des choses à faire. Squeezie! Mais c'est moi? Je l'ai entendu dire Squeezie. Alors je suis peut-être fou, hein, je suis peut-être fou. C'est qui ou? On a bien entendu la même chose. Non mais mec, je suis mort encore là. Merde. Oh non. Mais vu que j'ai cliqué sur recommencer, j'ai baisé toutes les... Oh non, j'ai plus les pièces violettes. Non, sérieux. Oh non, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Au moins, je sais où elles sont maintenant. Le niveau est vraiment stylé, mais il fait très Mario Maker, encore une fois, je trouve. C'est une dinguerie. Pour moi, c'était tellement impossible de faire un nouveau Mario 2D qui fasse pas doublon. Oh là 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 là. Tu l'as fait tout à l'heure, t'as même pas marqué. Ouais, je sais, j'ai vu. Tu t'appelles vraiment Julgan? Non. C'est pas mon vrai pseudo, non. Ok. Mais je suis con. Chaque fois je l'oublie. Chaque fois je l'oublie. Chaque fois. Ah, Dumbo, t'es sur la minia du truc ou pas? T'es sur la minia de la vidéo ou pas? Mais on est... Oh, je suis pas fou, elle dit Squeezie, frère. Yes. Ah, mince. Ok, bon je dis à Rémi de paillettes parce que du coup là il m'a répondu 2 heures après. Et du coup continue et Rémi fera les prochaines. Et pourquoi je suis à chier? Pourquoi mon first try il était exceptionnel? Et là je gueule mon mais...
Je sais pas pourquoi. Mec, j'étais tellement chaud le premier try. Oh, trop mignon l'art de Fall Guys. On peut le bannir, s'il vous plaît. Let's go. T'as trop la rage. Mais comment ne pas rager sur un jeu Mario, je vous le demande. Non mais je vous le demande. Ok, c'est pas grave. Squeezie. Mais mec, elle dit tellement Squeezie. Écoutez, tendez l'oreille. Ah, oh non, elle a pas dit Squeezie là. Mais dis Squeezie! Mec, elle dit pas Squeezie! Elle dit plus Squeezie. Sage. Elle dit plus Squeezie! Elle le dit plus, elle veut plus le dire. Elle est fâchée. Elle dit Cheesy? Ah, c'est bon, elle a dit Squeezie! Là, vous avez vu, quand j'ai pris la foreuse, elle a dit Squeezie. Elle se passe qu'en fait, c'est mon youtubeur préféré. Number one. Les deux murder m'a laissé sans voix. Ah ouais, t'as kiffé? Mec, elle est très très bien. En vrai, je me demande si c'est pas le niveau le plus dur que j'ai fait depuis le début là. Je le fais exprès. Pourquoi il est niveau 5 étoiles? Je l'ai réussi du premier coup et lui je gueule mon Squeezie. Voilà, je suis pas fou. Daisy est fan de Squeezie. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas envie, mais bien sûr que j'ai envie de réussir le niveau. Genre là tu me fais genre le coach d'équipe de foot en mode non mais tu gagnes parce que t'as pas réellement envie d'aller au bout. Ils ont plus envie que nous. Ils me font le coach de foot à dire tu n'as pas envie. Bien sûr que si, que j'ai envie, frère. Tu peux arrêter avec cette vanne, Kevin, là où, s'il te plaît. C'est au moins la sixième fois que tu l'écris dans le chat. Je... Voilà, si on n'y répond pas, c'est qu'il y a une raison. S'il te plaît, arrête. Tiens-moi ça. En fait, ce qui me rend malheureux, c'est vraiment les nuages. Les nuages me rendent tellement malheureux. Squeezie. Mec, tu vois rien en fait avec les nuages. Ça va quoi les grosses pièces violettes? Elles nous donnent 10 pièces. Les pièces servent à acheter dans les boutiques. Pièces violettes. T'es pas en forme. J'ai dormi 12 heures!
Et j'ai très bien mangé, bien sûr que si, que je suis en forme. C'est juste, je sais pas pourquoi là, j'ai du mal sur ce niveau. En fait, genre, c'est méga compliqué les... Genre, parce que là, en fait, tu peux soit être en bas, soit au-dessus, soit t'agripper comme ça. Genre, en fait, il y a plein d'états, c'est trop compliqué les... Ces genres de trucs, en fait, ça paraît simple. Mais en fait, les genres de tubes comme ça, c'est assez compliqué. Genre, c'est... Est-ce que tu le grabes? Si oui, est-ce que tu le grabes verticalement? Ou alors, est-ce que t'es debout? Ou alors, est-ce que tu le grabes en étant pendu? Genre, juste en mode traction, tu vois? Si la barre, elle est horizontale. Genre, il y a trop de choix, c'est compliqué. Ok, on se dépêche. Isogé. Oh. Pourquoi il grab? Chef! Ok. Nice. Itso... Non, isogé. Isogé, ça vient du verbe isogu qui veut dire se dépêcher en japonais. Voilà, non mais nerd. Nerd. Nerd moment. Nice. À 1 million d'abonnés, tu dis ton nom. Say my name. Genre, à 1 million d'abonnés, je deviens Heisenberg. Je pense faire HK en full random. Peut-être, mais alors pas le comment appeler ça, pas de vidéo dessus, je pense pas. On va faire du gacha game normal. Ok, Sage. Ok, Sage. Merci Face pour les 5. Mais mec, parce que je t'aime mec, mais CSC. Merci pour l'abonnement offert à Guillaume76, Opai, Aosistos, Roema, Maehara, mec, bienvenue à tous. Mais mec, mais tu régales. D'ailleurs c'est quand que tu m'envoies ta facture, rappelle-moi, c'est en début, je sais même plus si c'est en début ou en fin de mois. Le 25. Ah oui, parce que normalement je reçois mes paiements YouTube juste avant, mais bon là j'ai des soucis, mais bon c'est pas grave. Ouais t'inquiète. Merci beaucoup chef, tu régales. Trop sympa. Ouh, Mario Bandush Golden. Ok. 90, ok. Merci beaucoup mec, hein. Tu régales. Peach Bondis, mais non, c'est un Golden, mais je l'ai déjà eu. C'est quoi l'intérêt de juste acheter genre un perso en particulier? Que le live vers quelle heure? Minuit, 1h du mat. Merci Lord Pix pour le deuxième mois. Tiens chef, mon prime déjà, hâte des vidéos défi Mario Wonder. Merci beaucoup. Même moi, hein. Même moi en vrai. En vrai, vous savez quoi? Attendez. Sur le... En haut, là, pour le nombre de subs, je pense que je vais plutôt mettre... Je vais plutôt mettre le score du 70-30. Et je pense que je vais essayer de l'actualiser moi tout seul. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Ok. Alors. Donc là, il faut 350. Ouais, du T3. T'inquiète. On est... Donc c'est sur 350, et là, on est à... Là, on est à... 230. Voilà, et là, il faudrait que j'arrive à mettre à côté... En mode, un petit...
résistance. Les sub-gifs, ça compte pour sub-goal? Pas du tout, non, justement. En fait, ça doit être des subs payés. En fait, pour le score, en fait, si vous voulez, là, actuellement, on était à quoi? 740 subs, donc ça, c'est le compte, c'est le nombre total. Mais là, donc du coup, 230, c'est le nombre de subs payés. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est pas des primes ni des sub-gifts. Et un sub tier 3 compte pour 6 points. Et un sub normal, tu vois, payé, compte pour 1. Et en gros, il faut qu'on arrive à ce score de 350, 3 mois d'affilée, pour que j'ai 70% des revenus sur Twitch, en sachant qu'actuellement, j'en ai 50. Voilà. Voilà, voilà. Et donc là, faudrait qu'on arrive à atteindre 350 avant la fin du mois. Si c'est assez chaud, je ferai des giveaways de sub tier 3. Enfin, je verrai comment m'organiser. Et un T2, ça fait 4. Un T2, je vérifie, mais il me semble que ça fait... Je sais pas combien fait un T2. Je sais pas du tout combien fait un T2. T2, ça doit faire 4, ouais. T2, ça fait 4, je pense. Non, T2, ça fait 2, je crois. Je sais plus... Attends, merde, m'en souviens plus. How many points for sub tier 2? 2 points. Tier 1, c'est 1 point. Tier 2, c'est 2 points. Donc, c'est, quand je dis les points, c'est le nombre en haut. Là, c'est le 230 qui incrémente. Donc, tier 1, c'est 1 point. Tier 2, c'est 2 points. Tier 3, c'est 6 points. Voilà. Et donc, du coup, tout ce qui est sub-gift, prime, c'est pas comptabilisé là-dedans, en fait. Voilà. Tu gagnes quand même des points avec les primes. Non, ça augmente pas le compteur là, mais je gagne quand même 2 euros brut, tu vois, sur les primes. Ça oui, par contre. Ça oui. Mais voilà, c'est juste, j'en parle de temps en temps. Oh! Non! Re les piranhas! Mec, c'était tellement ma chanson préférée. Mais c'est juste, ouais, je parle de cet objectif de temps en temps parce que de 1, financièrement, bah, c'est cool parce que, bah... Du coup, on se fait moins baiser. Enfin, je me fais moins baiser par Twitch. Et c'est surtout, ça serait cool pour genre. Parce que je n'ai pas accepté, comment dire, le truc de pub de Twitch. Parce que normalement, genre, si je mettais plus de pubs sur Twitch, je pourrais gagner plus, tu vois. Et pareil, genre, les VOD sont disponibles à tout le monde. Donc voilà. C'est juste, j'en parle comme ça. Comme ça, si, pour que ça reste ainsi, ça serait cool. Mais évidemment, zéro sous, quoi. Mais évidemment, comment dire, les lives sont gratuits et resteront gratuits à tout jamais, quoi. Alors... Oula. Et je sais que vous avez déjà des pubs, mais je crois qu'il y a moyen d'en mettre encore plus. Genre, il y a des trucs du style... 3 minutes de pub par heure, ou 6 minutes de pub par heure, et genre pour que je gagne plus. C'est assez aberrant. Oh, je vais être tellement heureux. 4 jams. C'est les meilleurs, ça. Souvent imité, jamais égalé. Le 100% en moins de 12 heures? Ah non, mais mec, je suis loin d'avoir fini, là. Merci de ne pas le faire. Non, mais c'est chiant, tu vois, qu'il y ait full pub. Ah oh. Franchement, même moi, quand je regarde un live, c'est pas ce que je cherche dans un live, tu vois. Mais après, évidemment, je veux dire, Twitch, ça doit être un truc comme genre 15% de mes revenus. Donc, vous inquiétez pas, enfin, ça sera pas... Mais ça peut devenir plus important, du coup, si c'est le 70-30, quoi. Genre, YouTube reste quand même la part la plus importante, quoi. Enfin, YouTube avec les sponsors et tout. Ouais. Ok. Oh, les Bills Balls. Et bon... Oh, mais ça va tellement vite! Chef! Bah, c'est vrai que c'est 5 étoiles. J'avais oublié ce détail-là.
Dès que je suis porté par le scrolling là. Mec, c'est le scrolling qui me porte là. C'est même pas moi qui marche. Le fait que le jeu soit une genre de grosse comédie musicale. Mais mec, il y a tellement de bonnes idées dans Mario Wonder, ça me rend tellement heureux. Et Twitch ne vient pas d'autoriser le stream multiplateforme. Si, mais ça change rien, non? Je sais pas. Ça change rien au fait que... qu'ils me prennent 50% de mes revenus. Ça change rien à ça. See ya! Mec, j'ai tellement soif. Je sais pas si t'es encore là, Dumbo. Ça dit quoi pour la Minya? Et qu'il est en train de se prendre la tête de Zinzin. Oh là là! Oh là là! C'est trop mignon. Mec, même le fait qu'ils aient fait le royaume des fleurs, qu'ils aient pas juste dupliqué à nouveau le royaume champignon, tu vois. Mec, je suis emprisonné par le gacha game des panneaux, frère. Voilà, je le dis, je suis emprisonné. Mario éléphant. Mec, j'essaie une première idée. Mec, te prends pas la tête, hein. C'est vraiment une de la chaîne replay, quoi. Mais Daisy Boule à pic, je l'ai eu 3 fois alors que c'est un golden. Oui, je veux de riche. Ok. Oui, jeune Goomba. Sorry for that, pas de soucis, mec. Je te la facturerai pas, quoi, du coup. Logique. Mais tu feras les prochaines, t'inquiète. Merde, j'ai déjà plus rien. Complicado, mais mec, y'a zéro souci. J'ai tout, là, c'est bon, ici, de ce stage. L'OBG, je me demandais comment t'as appris le japonais. Par moi-même. Tu cherches en anglais des sources, etc. Et il y a toujours plein de trucs à trouver. Il y a toujours plein de sources, des vidéos YouTube. Enfin, genre, tu croises les sources le plus possible. Après, le truc, c'est que moi, vu que je parle bien anglais, je cherchais énormément de sources en anglais. Et quand tu cherches des sources en anglais, t'as une quantité de trucs assez phénoménale, quoi. Enfin, t'as une quantité de sources et d'informations assez phénoménales. Parce que les vidéos de Julien Fontanier, elles sont bien... Mais une fois que t'as passé un certain niveau, ça reste assez débutant, tu vois. Donc pour approfondir, c'est pas si bien. Moi, je pense que le plus important en japonais, c'est d'apprendre la grammaire. T'es quasi bilingue en japonais? Non. Non, non, non. Je suis bilingue en anglais, mais en japonais, non. Juste, je comprends, tu vois, les discussions simples. Je peux converser tant que c'est simple, tu vois. Mais non, 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 je suis loin d'être bilingue. Après, si vraiment je le veux et que je regrind la genre non-stop pendant 2 ans, franchement, je pense que je peux. Bilingue japonais. Genre, si je reviens au Japon, que je trouve un endroit où je peux streamer là-bas pendant 6 mois d'affilée, et que vraiment je me mets dedans et que je bosse tous les jours, franchement, je peux le faire. En moins d'un an, je pense. Parce que j'ai déjà des très bonnes bases. Mais je me demande si je suis pas... Alors, j'ai fait espagnol LV2, mais je me demande si je suis pas meilleur en japonais qu'en espagnol. Mais premier degré, genre, si j'apprends très très bien l'espagnol et très très bien le japonais, ça voudrait dire que je parle 4 langues couramment. Français, anglais, espagnol, japonais. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal à 20 ans, si j'y arrive. Bon, ça sera plus tard, évidemment, mais... C'est l'un de mes projets de vie, tu vois. C'est un objectif. LV2 au lycée, bah espagnol. Bah viens dans mon salon, je te prends 1% des gains de stream. T'es au Japon ? Et qui prend 1% des gains de stream, c'est vraiment pas tant que ça. Hein. Tu es C1 en anglais? C1 C2, ouais. C1 C2, j'avais fait un Oxford test pour entrer en école d'ingé, il me disait C1 C2. En fonction des trucs, quoi, en fonction de... En fonction genre de la lecture, la compréhension, l'expression écrite... Les gens qui prennent Alsan sont... T'as drop ton école d'ingénieur. Alors c'est pas que j'ai drop, c'est que j'ai juste pas validé mon année. J'ai vraiment juste pas validé mon année, quoi. Non mais voilà, il s'agirait d'être honnête.
Mais j'étais trop occupé à jouer à Zelda et à Mario. Il fallait B2 en école d'ingé. Ah oui, bah dès que je suis rentré, j'avais déjà... Oh merde, j'ai même pas assez. Oh putain, mec, le badge rapidité. Faut savoir quelle école c'était. C'était Essier Paris. E-S-I-E-E. Paris. Plus sûr qu'on apprend une langue, c'est d'avoir beaucoup de vocabulaire. C'est vrai. En vrai, pas forcément. Je trouve qu'en japonais, c'était pas nécessairement ça le problème. C'était plus comprendre la grammaire, parce que c'est très à part, la grammaire. Mais c'est assez insane parce que il y a vraiment ce... Comment dire, ce... Essilf Paris? Non, c'est pas la même école. Mais j'ai failli y aller, c'était dans mes voeux, Essilf Paris, ouais. Mais plus t'apprends des langues, plus c'est facile d'en apprendre d'autres, en fait. C'est ça qui est assez insane. Et je sais que c'est vrai aussi pour les langages informatiques. Quelle chaleur! Oh, on m'a déjà tout raconté à ton sujet, tu es là pour nous aider, n'est-ce pas? Sache que les déserts cuisants rangent de secrets cachés, ils peuvent être enfouis dans le sable ou encore dans les bâtiments, cherche-les bien. Donc j'ai d'ici plus tôt. Mais en vrai... Ouh! Ta gueule! Mais en vrai de vrai, je pense qu'il y aura un arc de ma vie où je vais tryhard les langues parce que j'aime trop. Je sais pas pourquoi, genre les langues étrangères, ça me passionne trop, tu vois. Et... Life goal, parler 4 langues couramment, tu vois. Et comme ça, je pourrais voyager et être heureux. T'en penses quoi des gens qui apprennent le latin? Bah, s'ils kiffent, tant mieux pour eux, hein. C'est... En vrai, le latin, c'est vraiment... C'est un cheat code pour la culture G, premier degré. Genre, apprendre le latin pour la culture G, c'est exceptionnel, je pense. Dokomade toberu kana? Je suis gaze. Vraiment pas, j'ai 0 culture alors que j'ai 19 de moyenne. Ouais, mais si tu creuses vraiment, je pense que ça peut vraiment être exceptionnel. Mais vraiment, apprendre des choses par vous-même. Si vous savez où chercher, si vous croisez bien vos sources et que vous parlez anglais, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Hein. Si vous êtes motivé sur un sujet. Genre, ça peut être n'importe quel sujet. Hein. Les maths, l'anglais, les langues. Enfin, les langues, je trouve, c'est facilement apprenable. Après, les maths, ouais, les maths, c'est quand même un peu plus compliqué, je trouve. Mais. À apprendre tout seul. Mais les langues, c'est typiquement le genre de truc que tu peux apprendre tout seul tranquille. Je sais pas si vous connaissez l'application Anki, c'est pas du tout sponsorisé, mais c'est. C'est une application incroyable pour apprendre des trucs purement et simplement par cœur. Anki App, en gros, si vous voulez, c'est genre... c'est l'application où vous avez des cartes. C'est des cartes virtuelles. Hein. Et genre, vous... Il y a écrit, par exemple, genre, par exemple... Il y a écrit... genre, admettons, tu vois, t'apprends l'espagnol. Ils t'écrivent le mot en espagnol, donc sur un côté de la carte, et tu peux cliquer sur retourner. Et genre, derrière, ils te disent le sens. Par exemple, ça peut être quoi? L'étymologie, ça peut être des trucs comme ça, tu vois. Et donc du coup, genre, tu vois le mot, et donc du coup, tu dis, bah ça... Genre, tu vois le mot, et tu dis, bah ça, ça veut dire ça et ça. Et quand tu retournes, du coup, ça te donne la réponse. Et donc du coup, tu vérifies si c'est bel et bien la réponse que t'avais. Et ça, c'est des feuilles Bristol. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il y a déjà plein de packs qui sont déjà faits sur Internet, de gens qui ont déjà fait ça sur plein de sujets, plein de thèmes. Donc vous avez même pas à les faire. Et c'est vraiment efficace. Genre, vraiment, pour les langues, j'ai déjà essayé, c'est assez insane. Et je sais que c'est assez... C'est vraiment... Je sais que pas mal de gens qui sont dans la médecine ou dans la santé, ça sert énormément pour apprendre des trucs vraiment par cœur, purement et simplement. Et voilà, c'est gratuit, c'est vraiment bien, quoi. Mais c'est pas sponsor, hein. Mais encore une fois, c'est vraiment une très très bonne appli, quoi. Genre vraiment, pour apprendre des trucs purement et simplement par cœur, c'est exceptionnel. Si vraiment vous avez besoin de par cœur, n'hésitez pas. Ça peut être même apprendre des formules de maths, des trucs comme ça, quoi. Parce que les maths, tu me mets devant un bouquin qui n'est pas à mon niveau, je vais passer des heures à comprendre. Et c'est normal. C'est normal. Les problèmes de maths, la plupart des problèmes de maths, ils ont été... Ils ont été créés pour que tu passes des heures et des heures dessus, quoi. Normal de pas tout trouver tout de suite, quoi.
Et c'est pour ça que ça me frustre que les gens me donnent la réponse dès que je ne trouve pas quelque chose sur Mario Wonder. Genre, c'est normal, c'est partie du processus. Le nom de l'appli, c'est Anki. A-N-K-I. Voilà. Si vraiment vous avez des choses à apprendre par cœur, c'est exceptionnel. C'est vraiment un cheat code. J'ai ouvert. J'en ai où dans le jeu? Je suis au monde 4. Monde 4. Piste épineuse. En vrai, je crois qu'on est en cumulé à 3 heures sur la VOD. Donc écoutez, je vais vous dire salut YouTube. Merci infiniment d'avoir regardé. Et et puis voilà, le like, l'abonnement, la chaîne replay. N'hésitez pas à aller voir la playlist pour tous les autres épisodes de Mario Wonder. Là, c'est le troisième, on est déjà au quatrième monde. Je pense qu'il y en aura une petite dizaine sur le let's play. Après, il y aura évidemment des vidéos sur des défis qu'on va faire, sur des speedruns, des mods, certainement. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne replay, le like, et puis ciao ciao. Ciao ciao YouTube.